Bonsoir. Alors je tiens à préciser que on m'a forcé. J'ai été pris en otage et c'est pas de mon plein gré quand même. Hein. Faut le dire. Bon, ceci étant dit, on va commencer quand même tranquillement. Ah. Voilà. Non, il ment. Je crois pas que je mente, non. Je suis l'incarnation de l'honnêteté et de la vérité. Et je ne mens jamais. C'est un trait de caractère. Hop, j'ai chaud. On est en le 7 janvier. Et j'ai chaud de ouf. C'est normal. Quoi d'autre? Attends. Apparemment, mon son gueule. Non. On s'en fout. On va retourner direct sur un Medieval. Je sais plus où j'en étais rendu. Je crois que j'avais fait 3 ou 4 chapitres. Je sais plus. Je crois qu'il y en a 7 en tout. Donc, clairement, on finira pas ce soir, mais. C'est pas grave. Tac. Hop, c'est bon. Hop, tac, c'est. Bon. Non, si, c'est bon. Bougez pas. Je sais pas si niveau son ça va être bon, par contre. Je crois que mes réglages sonores ont été réinitialisés sur le jeu. Quoi c'est... Non. T'aimes les cookies et tout? Bah oui, mais ça, c'est. C'est bizarre, j'ai l'impression que le son il est pas fort. Pourtant il est à fond. Eh bah écoute, continue, on verra bien en jeu. Tout le monde aime les cookies, Pounce. C'est pas. Enfin. C'est pas très fort au niveau du jeu, je crois. Bah oui, mais pourtant le son est à fond. Donc. Et le jeu a crashé ou quoi là? Allô? Hey, Medieval, s'il te plaît. Je t'en supplie. Oula. Je crois que le jeu il est cassé. Je crois que le jeu il est cassé. Allô? Medieval? Pas de réponse. Yes, bon, bah. Ouais.
Ouais, j'ai speedrun un stream, ça écoute. On fait comme on peut, hein. On va le relancer. Medieval. C'est marrant quand même parce que. Donc avant que quand je le streamais là, en fait, pour vous tout vous expliquer. Voilà, voilà. Bon, ça a l'air d'être mieux. Pour tout vous expliquer, quand je le streamais avant, c'était sur une version. Comment on pourrait dire une version. Merde. Une version de presse, vous voyez ce que je veux dire. Et là, du coup, je l'ai en version achetée sur GOG. Et il marche moins bien. Et je pense que c'est important de le noter, tu vois. Je pense que c'est important que les gens soient au courant. Voilà, attends, c'est normal s'il n'y a plus de son. Hein. Vous paniquez pas. Hein. Une version empruntée, exact. Ma souris, ok. Continue. Là, ça marche. Je t'en supplie, par contre. Si tu me dis que ça marche pas... Non, mais c'est une blague. Pourquoi tu marches plus, jeu? Jeu vidéo? Bonjour à tous, hein. Et puis bonne année aussi à ceux qui étaient pas là pour le Forgecast. Bonjour à tous, bisous tout le monde. Tu l'as testé tout à l'heure? Bah oui, je l'ai testé tout à l'heure, il marchait bien ce con! Attends, c'est quoi ces conneries, là? Ah non, pas de réponse. Mais qu'est-ce que c'est que ces emmerdes, là? J'ai testé tout à l'heure pour voir à peu près où j'en étais rendu, puis si le jeu... Enfin, voir un petit peu, du coup, sur la version... merde. Sur la version legit, comment... S'il y avait vraiment des nouveautés ou quoi. Et tout marchait bien, et là... Et là, le jeu décide de m'enculer la race. J'aime pas ça, hein. Ouais, non, il est cassé. Attends. Je vais réessayer, hein. Oui. Hop, casse-toi. Mais c'est pas logique en plus. Attends. Ouais. Si j'essaye de fermer des trucs superflus à la rigueur, je vois pas ce que ça peut foutre, mais on sait jamais. Voilà. Change de résolution, full en fenêtré, tente d'enlever la V5, tente de recapturer sur OBS, etc. Dis donc, hein, t'en sais des choses, hein. Attends, je vais tester, là ça marche, là ça marche, si je vais dans les options, vidéo, la V5, ça dégage, par contre du coup si je vais à la V5 et que j'ai mon problème de clavier, je vais chier dans la boîte aux lettres de mon voisin, voilà, comme ça c'est dit, attends, vidéo, cette résolution... Elle est où ma résolution que je prends d'habitude? Là. Ouais. Oui, bah oui. Oh, oh, sa mère la pute. J'ai fait une bêtise. Non, c'est bon? Je crois que c'est bon. Je croyais que j'ai fait une bêtise, mais je crois que ça va. Tac, bah écoute, qu'est-ce qui se putain de passe? Pourquoi j'ai mis mon écran? Ah, mais non! Mais non! Mais sois pas bête! Pourquoi tu m'as mis en. Attends. Le jeu m'a foutu. Et je vais t'enculer, les jeux. Hein. Dave Oshry, je vais te retrouver. Hein. Mais non. Je vais te retrouver. Franchement, tu vas pas kiffer. Hein. Voilà. Tac. Je sais pas si ça explose de l'autre côté, j'espère que non. Mais au pire, c'est pas grave. Continue. Alors, je vais tenter une manœuvre du Shetain. Voilà. Eh ben, je crois que c'est bon. C'est... Merde. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pour moi, c'est bon, en tout cas. Attends, si je regarde sur mon OBS. Ouais, ça a l'air d'être bon. Eh ben, voilà. Par contre, je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout censé être ici, on l'a déjà fini ce chapitre, attends. Save, load, nous c'est... load, je suis con. Bah oui. Load. Quoi? Allô? Maman? Celle-ci peut-être? La musique a l'air de chier. Ouais, ok, c'est bon. Je suis au bon endroit, je crois. Cassez-vous les clés.
La musique, bah, va falloir me dire, parce que je crois que ouais, mes réglages sonores, ouais, c'est bon, okay. Je crois que mes réglages sonores ont été réinitialisés, donc peut-être que niveau son ça chie, faut me dire. Knowledge is power, read the collection of menu. Alors, tu vas pas me dire ce que je dois faire quand même. Je suis un grand garçon maintenant, j'ai 25 ans. Enfin, 24, mais presque 50. Presque quoi? 24, presque 25, pas 50, non, ça va. Niveau SPS, ça chie aussi. Eh. Alors, déjà, en plus, non, je perds pas d'image, donc je comprends pas. Mais attendez. Pour ça, j'ai une méthode. Je fais ceci. Ceci. Là, vous voyez mon curseur bouger, vous voyez pas ce que je fais. Ça va être stressant pour vous. Hein. Il est où l'autre? Mais il n'existait plus ou quoi, ce con? S'il est là. Tac, tac. Tac, tac. Hop, ça dégage. Tac, tac, tac. Tac! Je suis stressé de ouf, allez, tu m'étonnes. Alors normalement je perds plus d'image, normalement le jeu il tourne bien, et normalement on peut continuer. Du coup attends, tu m'as dit c'était quoi ça? Arcane Expense. Intéressant. Oh la vache, ça a l'air de chier, hein, moi j'aime bien. Alors là par contre. Voilà. Hop. Oh sa mère. Mais ça commence bien. Moi je suis là, je suis bien en tout cas. Voilà. Par contre, ouais, c'est quand même. Putain, mec. Je suis toujours impressionné par le jeu. Hein. Ok. Je suis toujours impressionné par le jeu et putain de merde, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je vois, quoi? Je sais pas, faudrait que j'essaye de choper, parce que du coup c'est les mecs de... comment ils s'appellent? Indefatigable, qui l'ont fait le jeu. Les développeurs. Qui c'est qui est chiot? Faudrait que j'essaye de voir... comment dire? Qui c'est qui s'est occupé de l'art style et tout. Parce que vraiment, mon gars... Mais, vous allez crever vos mères, vous? Voilà. Tu sais ce que ça me rappelle, ça? Ça me fait vraiment penser à Spyro dans les environnements ultra diversifiés, ouf comme ça. J'avoue que... En RTX, t'as testé un RTX Hunter? Putain mec, ça doit tellement être ouf en RTX. J'ai maté quelques photos, quelques vidéos, j'ai pas trop regardé non plus, j'ai pas eu me spoil, tu vois. Mais ouais, enfin, ça doit tellement être ouf. Et ouais, faudrait que je regarde les mecs de chez Indefatigable NZ là, qui pour savoir qui s'est occupé du de l'art style et aller lui sucer son chibre. Ah ouais. Tiens. Alors, bon, les malins, hein. Mais là j'ai pas mes pieds dans le sable. Elle est où l'action? Quoi? Mais là, quoi? J'aime bien beaucoup la track. Mais là j'ai pas mes pieds dans le sable. Elle est où l'action? Je comprends pas ta phrase, Yadar, mais j'en prends bonne note. Mec, imagine ça en RTX. Est-ce que je peux attendre? Non, ça marche pas. Tant pis. Tant pis. C'est quoi ces merdes là? Le fait que vraiment. Je suis nul. Au cas où vous ne vous l'auriez pas remarqué, je suis une sacrée daube. Mais comment. Le fait que chaque chapitre est vraiment un univers propre, je trouve ça quand même assez ouf. Il est où ce con là? Mais. Attends, bouge pas, j'arrive. Attends. Voilà. Salut B4. Tu chies de ouf, Momo, cœur. T'aimes bien quand je chie? Bizarre, ça, hein? Faudrait que tu consultes, quand même, parce que... Monsieur? Oh! Ah vache. Merci B4 pour tes 16 mois. Putain, et mec, le temps passe vite, hein, parce que j'ai l'impression que t'es arrivé hier. C'est assez ouf quand même. Mais merci beaucoup, poto, pour tes 16 mois.
Et oui, Pounce, t'étais bien là pour un stream sur ce jeu-là. Tu n'es pas folle. Du moins, pas encore. En tout cas, pas à ce niveau. Eh, mec. Mec. Je vais devoir réactiver la V-Sync. Parce que mon clavier est encore en train de chier, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi mon clavier... Oui, ça va, moi aussi, je... Hein, bon. Ah ouais. Mais non. Je veux pas descendre, moi. Remonte. J'ai 5 PV. Il joue ce con. Ah, mais il est mort. Gros loser. Ah, lui, il est pas mort. C'est quoi, non? En fait, non, attends. Bougez pas. Voilà. Hop, comme ça on est bien. Mais pourquoi je peux pas sauter là? Je veux de la vie par contre, je vous en supplie. Je vous demande avec le plus d'aim... Ah bah voilà, suffit de demander. Je suis arrivé en août 2018, ouais. Eh ben... Le temps passe vite, hein. Le temps passe comme les voitures même. Hein. Ça va ouvrir quoi ça? Je sens qu'on va encore spawner, hein, bien sûr, ça fait un peu... Non. Oui, allez, hein, Vogel, ou Vogel tous. 5 PV, comme quoi, hein. J'aime bien avoir 5 PV, c'est un chiffre rond. Allez, ta gueule. En plus, il y a plein de 5 dans ma date de naissance, du coup, c'est un peu porte-bonheur, tu vois. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que je suis déjà à fond en fait, mais on fait avec. Une clef, parfait. Non. Oh sa mère. Un PV, je gère, je suis le meilleur. Et j'ai même fait une quick save. J'ai l'amour du risque, si vous voulez, dans ma peau. Par contre, je t'en supplie, dis-moi qu'il y a de la vie dans le coin, parce que sinon... Non, il y en a plus. J'ai tout ramassé, c'est ça? Bonsoir, pseudo. Prions pour que ce stream ne crée pas de fanfiction étrange. Bah si, justement. Non? T'aimes pas les fanfictions étranges? Surtout avec Russie. Surtout avec Russian, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu de fanfiction entre Russian et moi. J'avoue que... Alors c'est pas que je le prends mal, hein, et vous sentez pas... Allô? Oh là, le jeu il est possédé je crois. C'est pas que je le prends mal qu'il y ait pas de fiction entre moi et Russian, c'est juste que ça m'étonne, c'est tout. Et vous sentez pas obligé d'en faire une juste pour plus que ça me gêne, hein. Ouais, je me suis TP de ouf, je comprends pas pourquoi. C'est pour ça, le jeu est possédé, mais écoute, c'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien. Tiens. À le prix. Y'a pas un peu plus de vie dans le coin? Celui-là, 14, ça reste chaud, un peu. Un peu gay, quand même. Ouais, mais c'est, comment dire, c'est thématique avec les méga-forges. Non! Non! Y'avait de la vie, là-bas. Y'a de la vie ici? Putain, y'a juste la mort et la... Voilà. La mort et la désolation. C'est un appel à la fanfic quand même, hein. Eh! Si vous faites une... S'il y en a un parmi vous qui fait une fanfic, et une vraie, hein. Pas un truc écrit à l'arrache, comme ça, sur une feuille de PQ. Une vraie, hein. Je la lis en stream. Voilà. Je le dis. Vous en écrivez une, je la lis en stream. Non, bah tant pis. Et si Russian? En plus maintenant c'est 10, c'est trop tard, je peux plus faire machine arrière. Ah putain, ça va être chaud là. Ok, j'en fais une pour ton anniv. Ah putain, en plus mon anniv c'est dans même pas 20 jours les gars.
Bah, dans 20 jours, il y aura une fois de fic. Voilà. Là, ça va être chaud par contre, parce que ils ont des espèces de les masses shotgun là. Faudrait que je récupère de la vie en fait. Mais moi, c'est ça que je voulais, moi. Oh là. Non, non. Attends. Attends. Bougez pas. Tac. Hop, tac. Je prends ça. Ta mère la pute. Hop là. Mais pourquoi il y en a plein? Eh merde. Tu veux qui dedans choisir? Ah bah tout le monde. On fait un genre de Avengers de la fanfic. Non? Non mais quitte à faire autant que ce soit bien fait, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, hier, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait l'AGDQ et il y a eu une run de Amedieval. Alors déjà, le jeu, c'est un gruyère en fait. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, hein, mais le jeu, c'est un gruyère. Et l'arme que j'ai là, le lance-planète, c'est l'arme qui est le plus utilisée en fait. T'as pas pu regarder? Moi, je l'ai pas trop regardé parce que je voulais pas me spoiler, tu vois. Et ouais. Le peu que j'ai regardé. Mais eux, ils sont chiants parce que non seulement ils font mal et en plus ils sont résistants. Donc relou un peu quand même. Hein. Putain. J'essaie de. Mais bon, le jeu est bancal de base, bah je trouve pas. Hein. Enfin, quand il joue normalement, en tout cas. Je vais voir s'il y a pas de la vie qui traîne, hein, parce que là, c'est chaud quand même. Genre, ouais, moi qui joue normalement. Ouais, c'est ça, ouais, il est atom ban et avec le lance-planète, en fait, il fait du rocket jump quoi. Donc, ouais. Koussi, tu seras le plus pédé dedans. Et bah voilà, comme ça en plus, vous vous donnez des idées entre vous, c'est parfait. Oh la vache, ouais. Ouais, mais physiquement parlant. Ah oui, ouais. Hop là. Et ouais, c'est que du out of band un peu dégueu. Les niveaux, mec, il est rush, mais enfin. Moi, des niveaux où on stream, là, j'ai passé peut-être 3 quarts d'heure à les passer. Lui, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Et encore, je suis large. Donc ouais. Mais je pense que comment? Du coup là je le fais en stream, je le finirai en stream du coup hein, comme je vous avais dit, y a pas de souci. Je vous montrerai certainement les alphas qu'ils ont publié il y a pas trop longtemps là, une fois que je l'aurai fini. Et je pense qu'après j'essaierai peut-être de le speedrun pour voir. J'ai jamais de speedrun de jeu et j'avoue que ça fait longtemps que je voulais m'y intéresser et essayer moi-même, tu vois. Et ouais je voilà. Tiens, ta grosse mère, voilà. C'est bon? Il y en a d'autres qui vont arriver de là, là. Vous foutez pas de ma gueule. Hein. Voilà. Comme quoi, hein. On fait une save parce qu'on n'est pas des. Hein, bon. Assassin's Creed si on est en accord. Ah, ah ouais, donc on part sur. Ok. C'est pas super légal quand même, hein. Je tiens à rappeler que c'est un stream chrétien quand même, donc bon. Faites attention, hein. Je vous ai l'œil. Hein. Oh la vache, j'avoue que les déplacements comme ça sur des. Sur des petits. Enfin, c'est quoi ça? C'est du bois, mais du genre de poutre chelou là. Je suis pas serein du cul, hein. Jésus vous garde et Momo aussi. Ouais, mais. Enfin. Comment?
Enfin, je veux bien te croire, hein, mais il est vachement... Comment dire? C'est quoi le mot? Il y a un mot? Quand il est vachement tolérant quand même s'il nous garde, hein. Je trouve. Parce que moi, poteau... Oui. Eh, hey, il va fermer sa gueule, lui, là. Oh. Il tend l'autre joue. Ouais, non, mais bon. Ah oui, ok. Il tend l'autre joue, je sais que c'est un thème chez lui, hein, mais... Là, quand même, il l'attend vachement. Hein. Qui? Ah, lui. Ils me font chier, eux. Non, arrête, vos gueules. Cassez-vous. C'est bon, on s'en va maintenant. Allez, zou. Casse-toi, oh! Ah ouais? C'est moi qui suis plus fort. Toi, t'as pas des bâtons magiques qui font des bouts bleus. C'est le bâton magique de Skad. 7 PV. Ah! Bah, comme quoi. Tac. Il vous garde s'il peut, mais là, c'est chaud. Ouais, voilà, on est d'accord, c'est quand même bon. Il est patient et tout, mais là, moi à sa place, je me serais barré. Hein. Je lui dirais, putain, Jésus, t'es trop kiki, hop, direct la place au paradis. Ah ouais. Tu penses que ça se joue comme ça, toi? Bah, franchement, je suis pas sûr. Hein. La brebis est guérée qui se barre à l'abattoir, ouais. Bah je pense que la brebis égarée qui se barre à l'abattoir c'est nous tu vois. Mais je pense que si on est égaré, on nous a mis sur le chemin tu vois ce que je veux dire. Vos mères C'est qui c'est quoi ça? C'est mort ça. Hop là. Tant pis. C'est quoi? Oh, c'est la masse? Yes. Ma préférée. D'accord. Et du coup, attends, je voulais juste voir un truc. Donc quoi, ouais, les... Ok. Le mana, du coup, le mana, c'est pas un mana par arme, en fait, il y en a certains qui sont partagés, quand même. C'est parce qu'on vagabonde qu'on erre. Y a un jeu de mots ou c'est bizarre, ta phrase? Ou c'est une citation? Ou c'est vraiment juste moi qui pète un plomb? Possible aussi, hein, après, bon. J'avoue que... C'est pas parce qu'on erre qu'on est un vagabond. Attends, attends, parce que... Alors, je veux bien te croire, mon cher Yadar, mais quand même, je vais aller chercher la définition de vagabond. Vagabond, non, définition, voilà. Vagabond désigne une personne qui n'a pas de domicile, pas de moyens de subsistance et qui n'a pas non plus de profession, de métier. Bah moi je vagabonde de ouf du coup. Hein. Je veux pas vous spoiler, hein, mais franchement je suis un vagabond de ouf. Qu'est-ce que je fous là? Hop, je récupère ça. J'ai ouvert cette merde. Putain, mais mec. Quoi? Oh, ça va, hein. Clodo, il y a le vagabond, oh, rassure-toi. Ouais, bah ça me rassure pas, du coup. Tac, hop. Mec, ça, franchement... J'en prends plein la gueule. C'est ça, mec, en RTX... Déjà que sans RTX, bon, clairement, j'ai le Zijoui-Joui qui est en rave party, quoi. Mais là... Oh, sa mère. Vous êtes où? Ah, elle est là. J'espère que Vras m'enculera la racine pareil quand il sera gold. Franchement, j'espère. Regarde! Oh! Ça va, oui! Vous allez vous calmer, non?
En plus, j'ai pas mon ultra, mon cul. Attends. Bon, j'ai un peu chié là. Ok. Hop là. Parfait. Il y en avait d'autres en face, je crois. 4... Non, 29 Russiennes. T'as tort. Ça me ferait chier d'avoir tort, non? Oh là. C'est vrai que quand même le... Comment? Il y a un truc qui brille là-bas. Là. Le... Comment dire? Le déplacement, il est un peu... Ouais, voilà quoi. Non, non, non. Non, non. Arrête. Arrête, t'as pas le droit. Ah, t'es bien nickel, hein. Voilà. Ta gueule. Ça, cet effet-là, ça m'encule aussi. Y'a tout qui m'encule dans le jeu, hein. Comme quoi. C'est pas mal, hein. Qui? Voilà. Y'a quoi en haut? Ça. Je prends. Mais sous. Sur moi. J'ai mal. Arrête. Voilà. Cassez-vous tous. On est mieux là. La track me donne l'impression d'être au bout du monde. Mais en plus, la track, elle a été faite par Andrew Schultz. C'est celui qui a fait la track du coup de Dusk, de Brutal Doom et tout. Et du coup, de le voir sur un registre un peu différent comme ça, et bah, ça montre quand même que le mec... c'est pas juste un mec qui fait des gros riffs vénères, mais c'est aussi un mec qui sait faire des trucs un peu atmosphériques comme ça. Et c'est vrai que c'est assez ouf, quoi. Qu'est-ce que... Oh, tu veux pas dans mon dos, toi. Eh, y'en a de la saloperie là quand même, hein. Voilà. Cassez-vous tous. Un homme à grand cœur, exactement. Un grand cœur musical. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Alors, y a de grandes chances que vous en battiez les couilles. Mais une de mes résolutions pour 2020, c'est d'apprendre la musique. Enfin, d'apprendre la musique, à faire de la musique. Parce que j'avoue que ça fait un bout de temps que je voulais... Enfin, ça fait un bout de temps que j'aime la musique, figurez-vous. Alors, je sais que c'est un statement qui peut choquer. Mais ouais, ça fait un bout de temps que j'aimais la musique et j'aimerais bien être capable d'en jouer, en fait. Et du coup, c'est une de mes résolutions pour 2020. Et vu que je sais qu'il y a des musiciens sur ce chat... voilà. Sentez-vous libre de venir me conseiller et de me donner des petits tips de débutant. Moi je dois apprendre à faire un repas par mois, c'est la merde. Pourquoi? Pourquoi tu dois apprendre à faire un repas par mois? C'est pas beaucoup si tu prends... Si tu manges qu'un seul repas par mois, Poon, c'est pas bien. Hein. Faut manger plus, hein. Oh, ouais, oh, ça va. Me font chier tout cela. Non, mais un truc genre repas vraiment cuisiné. Ah oui. Ouais, mais... Pas les plats pour survivre. Eh ben pourquoi pas. Moi je me nourris Je me nourris uniquement de burger charal. Eh ben tu vois, je suis en pleine forme, hein. De burger charal et de Pringles paprika. Voilà.
C'est la seule chose dont j'ai besoin pour survivre. Et Wolfenstein, mais ça c'est différent. Eh bien Beethoven c'était une bite, c'est pas pour rien qu'il composait bien. Je sais pas si j'ai loupé le contexte ou si ta phrase veut rien dire. Eh c'est de l'eau ça. C'est de l'eau ça. Non. Si hein. Ouais c'est de l'eau ça hein. Ah non c'est pas de l'eau. Ça va on est bien. C'était pas une bite, il était sourd. Mais c'est pas... C'est pas un autre qui était sourd. Vas-y, c'est de l'eau. Ah mais c'est de l'eau qui est pas profonde, j'en ai jusqu'aux chevilles. Du coup ça va. Mozart il était sourd, et Beethoven aussi non, je sais plus. Mais enfin... T'es obligé d'être sourd pour être un virtuose maintenant ou comment ça se passe? Je trouve ça un peu relou moi. Hein. Mec qui prend des décisions comme ça, sans demander aux autres. Ou aveugle. Pourquoi ils ont. Pourquoi c'est tous des. Ils ont tous des infirmités comme ça Est-ce que c'est un prérequis finalement pour être musicien d'être débile? Enfin débile physiquement je parle hein. Là je vais activer le dernier et je me chie dessus un peu, je vous avoue. Ah non. Hop là. Hop. La clef. C'est bien. Mais tu peux commencer par des trucs simples, ouais. Genre jambon beurre. Ça va, c'est pas compliqué, hein. Ah ouais? Je crois pas, moi. Attends. Ah, oh gueule. Alors. Ah, on la ramène moins, hein. Faut que j'aille où, là? Oh, ça. Ah, là, dis donc. Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Faut que j'aille là-bas? Commence par la viande blanche, en fait, c'est vraiment plus simple. Une dinde au four. Fais un camembert au four, hein, et tu m'invites, par exemple. On fait comme ça? On a un deal? Déjà je dois en faire un avec Adwim, normalement on devait le faire le week-end dernier, mais bon on le fera plus tard. Mais attends... L'effet de reflet là il m'encule un peu aussi. Franchement camembert au four mec. Faut que je demande à Adwim quand est-ce qu'il veut qu'on se le fasse parce que... Il veut quoi lui? Oh, casse-toi. Ah ouais. En plus il me pique mes armes ces salopes là. Voilà. Ah c'était Mecha, c'était comme Mecha Hitler en fait. D'accord, bah... Voilà hein. Putain tu me donnes envie bâtard, mais mec arrête. The next passage lies below. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi Excuse-moi. Quelqu'un peut regarder s'il vous plaît, je suis intrigué. J'ai même un 5 hectares de 2 kilos. Oh le bâtard. Ah si. Succès débloqué. C'est le truc qui se transforme en poulet en Dota. Donnez-moi un plat et avant fin janvier je vous le poste sur le chat bouffe. Mais un truc simple. Il y a quoi comme truc simple que j'aime? Ext, c'est ensorcelé d'où exactement? D'accord, ok. Oh la vache, putain! Mais mec! Euh...
Faut que j'aille là. Moi je vais là parce que... Eh, du coup là on voyait bien que c'était un sprite et pas un, 3, un modèle 3D. Mais attends, mais... Non, c'est bon. Poulet curry, eh, franchement, ça, je suis chaud moi aussi. Hein. Et tu nous invites aussi. Hein, hein, bon. Tu nous invites ou alors... comment? Tu nous en envoies un bout par la poste. Merde. Chou, chou. Arrête, allez, Dieu. C'est bon. Un truc ultra simple de ouf qui prend 10 minutes à faire, c'est la quiche, c'est une quiche Lorraine. Je crois que j'ai jamais mangé de quiche Lorraine. Et je sais même pas vraiment concrètement quel goût ça a. L'unité Silver qui... Ah bah d'accord, fallait le lire aussi, c'est bon. Putain, elle est relou quoi. En fait, je crois que j'ai mangé de la quiche Lorraine quand j'étais tout petit. Mais genre une fois, tu vois, et j'en ai pas mangé genre depuis du coup genre 20 piges. Alors ça peut peut-être en choquer certains, hein, mais en attendant, putain. Quand j'ai dit que je me nourrissais uniquement de Burger Charles, c'était pas une blague, hein. Vous pensiez que je rigolais, hein, mais non, hein. Faut que je fasse quoi? Je comprends pas. Parce que là j'ai besoin de la silver key, c'est une chose. Là, j'ai besoin de la gold key, c'en est une autre. Je loupe. J'ai le sentiment. J'ai l'intime conviction que je loupe un truc. Croyez-moi, croyez-moi. Oh là. Ouais, la physique du jeu, elle est flinguée, sa race. Eh ben, alors, funérailles, t'es prête à avoir ta journée ruinée et être désappointé aussi? J'ai jamais mangé de chili de ma vie. Je suis pas venu ici, moi. Moi, je suis con, en fait, c'est tout. Non, c'est bon, je suis con. Vous en faites pas, votre journée peut continuer normalement. Pas la peine de gueuler, hein. Alexei, c'est donc ça y est, je suis russe maintenant. Je m'appelle Alexis, pas Alexei. Je suis pas un connard de communiste russe. Russe. Pas russe. Les deux. Putain, c'est chaud quand même. Fais-lui une quiche Lorraine de façon chili. Ouais, ok. Ouais, bah après, bon. Après, tant que tu me fais pas du poisson, franchement, je mange tout. Donc, faites-moi ce que vous voulez, hein. Moi je suis chaud. En plus c'est de la bouffe gratos si tu veux. Quand j'étais en internat, c'était un internat un peu militaire, il y avait un ancien militaire justement qui était moitié prof, tu vois. C'était un ancien des forces spéciales. Et un jour il m'a dit, le meilleur repas c'est un repas gratuit. Et depuis, mon troisième œil s'est ouvert, tu vois. Ouais, non, mais depuis ma vie a changé, hein. Depuis qu'il m'a dit ça, poteau. Je suis paumé. Non, c'est bon, c'est par là, je crois. Et quoi, ces saloperies là? Bah, elle est con, elle. Bah ouais, au bout d'un moment je suis pas responsable de tout. Hein. Alors le sol là il me fait flipper ma race par contre. Je suis pas comment.
J'ai pas le vertige de manière générale, hein. Mais là, j'ai... les interstices, ils sont vraiment vénères quand même. J'ai vraiment l'impression que je vais me faire enculer. Enfin. Ouais, je glisse là-dedans, hein. J'ai beaucoup de mal à prendre le temps de te faire, en fait. Moi, c'est pareil. En fait, à chaque fois, si tu veux, tu vois, je commence à avoir faim. Et je me dis, oh, mais vas-y, le temps que je me fasse à bouffer, je vais avoir encore plus faim. J'ai envie de manger maintenant. Et du coup, bah, je mange de la saloperie qu'il y a à portée de main, tu veux. Et du coup, je me fais jamais à manger. Je sais pas si toi, c'est pareil, mais. Ouais, bah, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas nécessairement une question de talent culinaire, c'est plus une question de... Vous me faites tout chier. C'est plus une question de temps et de patience, en fait. Et de préparation, tu vois. Je mange par pulsion, ouais, voilà. Ouais. Et le pire, c'est quand tu manges et que t'as pas faim, tu sais. Je sais pas si ça t'arrive aussi. Genre, t'as pas faim ? Mais t'as envie de manger, et du coup, bah, tu chopes un peu tout ce qui se passe dans le coin, quoi. Là, je vais crever, j'ai plus de vie, et j'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Voilà, c'est tout. Donne de la vie. Quelqu'un. Y'a de la vie, là ? S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Plus vite. J'ai toute ma gueule ! Pas de vie, bon. Casse-toi. Voilà. On est bien là. Voilà. Mais tu sais que je suis déjà moi aussi, j'étais pas boulimique à faire ça. Bah, je sais pas c'est quoi la boulimie exactement, mais la boulimie c'est pas quand tu vomis, parce que moi je vomis pas pour le coup. Quand je bouffe, hein. Moi ça reste à l'intérieur, hein. Faut que j'aille par là. Là, de la ville. De la ville. Donne. Voilà. Alors, sauvegarde. Non, c'est quand t'avales des quantités par pulsion. Ah, bah, je suis peut-être boulimique alors. Mais ah, je sais pas. Mais je pense pas quand même. Ça me paraît très étrange quand même. Non. Ah, ouais. Quand tu vomis, c'est l'anorexie. Et là, mon gars, j'en suis loin vu ce que je bouffe, poto. Ouais, bah du coup, pareil. C'est au point de se rendre malade après. Attends. La boulimie, c'est au point de se rendre malade. Parce que moi, du coup, clairement, je me rends pas malade. Hein. Je bouffe. Après, bon, je peux plus bouger pendant une semaine, mais je suis pas malade. Hein. Faut que j'aille où, putain? J'allais par là? Ah ouais, vous êtes sûr. Dégage. La vie. Merde. À chaque fois, je vise à droite. Comme avec le pipi. Non, c'est nul. Voilà. Genre des fois je suis capable de sortir le soir pour acheter un truc que je veux, sinon je suis en manque d'un truc et c'est horrible. Ouais non, moi ça va à ce niveau là par contre. Ça se traduit pas comme ça, c'est plus ce genre... Je me fais chier, je mange, tu vois. Non, c'est pas mon zguégou qui fait un arrêt de cercle, c'est juste je pisse à droite. C'est comme mon orientation politique, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, ça va être chiant. C'est bon, je le vois venir, ça va être chiant. Attends. Non, peut-être pas, en fait. Non, c'est bon, je crois. Non, c'est bon, ok. Attends. Bah, je vise au milieu, je suis pas au MEDEF. T'es sûr?
Peut-être que t'es au MEDEF et que tu t'en rends pas compte, c'est tout. Hein. Ouais, mais non, c'est nul. Mais il est fou, lui. T'es sûr que t'es pas au MEDEF? Moi, je te verrais bien au MEDEF quand même. Hein. Allez, monte-moi. Merci bien. Mais non! Voilà, je t'emmerde. Prends pour qui, lui? Ah ouais! Vous savez? Attends, bouge pas. Hein. Tiens! C'est le con. Hein. Ah, on fait moins le malin. Hein, hein? Espèce de petit PD, là. Y'a du infighting, j'ai pas fait gaffe. Moi j'avoue c'est marrant aussi truc sucré, genre les petits sablés avec du caramel sablé là. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles, pour être honnête. Je... Salé, petit. Attends. Les petits sablés avec du caramel salé. Ah oui. Non je vois pas. Je peux pas passer là? T'es sûr? Il faut que je retourne en arrière. Ok. Faut pas que je retourne en arrière. Très bien. Faut que j'aille là-bas, ok. C'est bon. Oui, ah voilà. Merde, je suis con. Il y en avait pas un. Oh les relous, c'est bon, oui, oh on a compris hein. Mais alors si j'ai envie de fromage et que j'en ai pas chez moi, tout le reste de la bouffe chez moi me donne pas envie, je vais acheter du fromage alors que les... j'ai deux trucs chez les moi j'aime. Les... Alors que les autres trucs chez moi j'aime. Ouais, bah ouais. Alors moi oui, mais après moi j'ai la... j'ai comment dire... J'ai le malus d'avoir pas de thunes, donc même si j'ai envie de m'acheter un truc je peux pas, donc après je pourrais le voler éventuellement, mais c'est pas conseillé. Même. C'est illégal et voilà. C'est un délit. Oh, commence pas, Yadar, c'est bon. Hein. Adwim, il est pas là. Pardon? Il y a de la vie, s'il vous plaît. Jésus. Eh merde. Implique pas Jésus là-dedans. Bon, je fais ce que je veux. Hein. Moi, ma mère, parce qu'on stresse. On stresse hit jusqu'à ce qu'on soit malade. Et quand on est très nerveux ou dans une super mauvaise période, poteau, je te promets que c'est vénère. Ouais, mais toi, c'est plus lié au stress, du coup. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment de la boulimie ou de l'anorexie ou je sais pas quoi, là. Pour le coup. Ah oui, mais oui. J'en prends bonne note. Putain. Succès débloqué, Blooders. Eh ben, ouais, bien sûr. Salut, Scholar. Ah, je t'ai bien niqué, toi. Hein. Attends, faut que j'aille voir là. Y'a pas de la vie, là? Qui traîne, quelque part, s'il vous plaît. J'ai déjà passé par ici, je crois. À part ton système digestif pété, Yadar. Ouais, par contre, ça, Yadar. C'est pas normal, hein. Ton système digestif, va falloir faire quelque chose. Hein. Ah, bah voilà. Bon, c'est pas de la vie, mais je fais avec, hein. Je peux pas monter là-haut parce qu'il y a plein de vie. Je peux passer par là, non? Oh, sa mère. Oh, sa mère. Oh, c'est précaire. Ouais, bon, il aime pas le chocolat noir. Y a pas que le chocolat noir qu'il aime pas, je crois, hein. Y'a le truc là-haut? Ouais. Je sais pas, t'étais pas intolérant au lactose y'a pas longtemps? Et après en fait non, et après en fait oui.
Ou c'est moi qui suis fou? C'est peut-être moi qui suis fou, peut-être que je confonds. Hein. C'est pas impossible. Hein. Voilà. De la vie. Des munitions. Non, j'étais juste en train de me chier dessus parce que je mangeais pas assez. Ah. Pas mal ça. Je t'avoue que ça m'est jamais arrivé, mais j'ai jamais été étudiant, donc ça doit jouer. Et maintenant, faut que j'aille où? C'était par là, je crois. Il y a un truc qui s'est ouvert. Par là. Non, en bas. Voilà. Ah, je... Attends. Quoi? L'eau, elle est au plafond. Eh, c'est le bordel, hein. Le jus, il est en train de m'enculer le cerveau, c'est pas... Enfin, c'est relativement agréable parce qu'il m'encule de joliment, si tu veux, mais c'est chaud quand même, hein. Je peux remonter, merci. Mais non! C'est chiant. En plus, je crois que ma dernière save allait loin. Yes. Ouais, ça va, c'est pas trop loin non plus. Hop. Tac. Là on y retourne. Au pire, j'ai remarqué que le truc en bas il me servait à rien parce que je suis déjà à fond niveau munitions. Donc au pire, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas y aller. Ça me paraît être une bonne idée. Et ça par contre j'aime pas, hein. Genre déjà de base l'eau j'aime pas, mais alors l'eau qui en plus elle est au plafond. Je t'avoue que... Oh non. Relou un peu, hein. Attends. Cassez-vous! Mais vas-y, mais ils m'enculent en plus. Mais attends, mais au pire, je suis con, non? Ça, je peux les enculer d'ici, non? Attends. Bougez pas. Général, de nouvelles mises à jour Radeon Software sont disponibles. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Voilà. Bah oui, je suis complètement débile aussi, en fait. Voilà. Ah mais ils sont horribles. Oui, ils sont horribles, hein. Ils sont vraiment dégueux, hein. Y'en a pas d'autres? C'est bon? Je peux monter à la surface? Oui. Faut que j'aille où? Par là. Et j'étais pas bien de racheter des clanks. À quel moment? Oh putain, mais non, mais c'est une blague. Casse-toi. Oui, bah c'est ça, casse-toi. De quel moment d'en racheter des clanks? Qu'est-ce que... Arrêtez. Oh putain mec. Le level design comme ça, tout en arrondi moitié là. C'est pas... Je suis vraiment paumé en fait. Le 3 je crois. À quel moment je me souviens plus. Il y a des passages dans le... Non. Arrête. Putain. Tu vas passer sous l'eau, dodge débide. Bah je crois de toute façon des passages sous l'eau dans Ratchet & Clank, t'en as dans chaque épisode je crois. Donc encore... Mais oui, enfin oui. Je suis plutôt d'accord avec toi, c'est de la merde. Les passages chelous de manière générale, hein. C'est de la merde. Voilà. Non, on se casse. Dans le 2, tu devais passer dans un bassin avec un requin, mais dans le premier aussi, hein. Casse-toi! C'est pas vrai, ça. Et là, c'est la chiasse. Mais tu vas crever ta race. Gars, j'ai pas touché au jeu pendant 3 ans. Mais ça va, mais je crois en fait que ma phobie de l'eau dans les jeux vidéo, elle est arrivée plus tard, moi. Et du coup, je les Ratchet & Clank, j'ai pu les faire genre peinard, même avec les passages choulots, tu vois. Mais maintenant, mon gars, les passages choulots, laisse tomber, hein. Manque-moi avec ta merde gay, hein. Parce que, sans déconner, c'est tout pourri.
Oui, eh, ça va. Oh là là. Mais c'est quoi tous les niveaux qui font triper là? Mais c'est un peu, comment dire, le, enfin, une des forces du jeu en fait, hein. J'ai fait une oeillette en petit, j'ai une excuse. Bah moi aussi, mais je t'avoue que c'est pas ça qui m'a filé ma phobie. En fait, j'arrive pas du tout à savoir d'où vient ma phobie de l'eau. Aïe. Pourquoi tout le monde a peur de l'eau comme ça? C'est fou, je comprends pas. Bah c'est flippant l'eau, non? C'est-à-dire que... enfin, c'est bizarre. C'est-à-dire que l'eau... Comment... Tu vois, genre, les petits bassins, par exemple, où je vois mes pieds... À partir du moment où je vois mes pieds, ça va, je suis peinard. À partir du moment où je vois plus mes pieds, c'est mort. Et dans la vraie vie, ça va un peu mieux que dans les jeux vidéo, mais ça reste... Ça reste pas au top, hein. Il est ésotérique le level design, oui complètement, hein. Je pense que c'est une très bonne manière de le dire en fait, il est ésotérique. Il me saoule lui là, casse-toi. Qui c'est qui est... Putain. Eh, toutes des salopes, hein. Voilà. J'ai plus peur dans les jeux qu'en vrai. Ouais, moi aussi. Même si en vrai, je suis pas trop rassuré, ça va à peu près, tu vois. Mais dans les jeux, l'eau... Putain. Et je crois, hein, que c'est depuis MGS2. À un moment dans MGS2, on va... Enfin, Raiden va sous l'eau. Et... comment... La vache, on peut se calmer 2 minutes? Et quand t'as une espèce de jumpscare en fait. Avec un cadavre. Oula vache. Avec un cadavre en fait qui te... Quand tu passes une porte, t'as un cadavre qui te saute à la gueule. Et je crois que c'est depuis là en fait. Pour aller sauver la sœur de Tacon, je crois que c'est ça, ouais. Ça me terrifie les mères dans la vraie vie. Ah mais moi aussi, hein. J'étais en train de lire. En fait, je me dis, dans un jeu, un truc sous l'eau, c'est forcément pour que ça chie, tu vois. Alors qu'IRL, t'as peu de problèmes qu'il t'arrive un truc. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pareil. Même si, quand même, hein, il y a des trucs dans la vraie vie sous l'eau, c'est de la saloperie. Hein. Alors, j'ai voulu boire du coca. Je m'en suis foutu partout. Du coup, c'est chiant. Putain, mais je suis vraiment un mongol. Attends. Mais, non, mais c'est pas possible. On dirait que je me suis pissé dessus du coca. Comment je fais pour être con? D'habitude, j'ai pas de problème quand je bois du coca. Pourquoi là, j'ai du problème? Bah, le temps que ça sèche, je vais jouer en calbar. Vous m'en voudrez pas. J'arrive, hein. Hop, attends. Tac. Hop. On met bon, comme ça. Tac. Alors, là, on est bien. Alors. Comment je fais pour être con? Recherche numéro 1 de Google. Bah, attends, tu sais quoi? Maintenant que tu le dis. Pourquoi? Attends. Pourquoi je suis con? Quel type de con es-tu? C'est toujours mieux de savoir. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. Je veux pas savoir quel type de con je suis. Je sais très bien quel type de con je suis. Je veux savoir pourquoi. Comment ne plus être con? Ah, par exemple. Alors. Vaste problème que la connerie, elle touche beaucoup de monde et seule la volonté individuelle peut l'éradiquer. Vous en avez marre d'être con? Vous êtes sur la bonne voie. Allez sur... Montre-moi comment fait déjà de vous un con un peu moins con. J'ai pas compris la phrase, du coup je me casse. Ça m'énerve. Hop. Je préfère jouer à Medieval, c'est quand même vachement plus marrant. Hop. Fais péter le calbar en cam, Momo, la mienne elle bug. Ah oui. Vivement la cam, dis donc, hein. Bah là, ouais. Après, enfin. Ouais. Comment dire? Je mettrai pas la cam sur ma bite si tu veux. Donc bon. On est plus ou moins safe.
C'est quoi ça? Ah, c'est juste un reflet, très bien. J'en prends bonne note. Il y a de la vie là, dis-moi. Dis oui, merci. Plus, j'ai besoin de plus parce que là ça va pas être suffisant. Putain de merde. Cassez-vous. Non mais putain. Franchement, tu sais pas, un public féminin ou très penché sur la quéquette, hein, ça rapporte. Non mais ça au pire je ferai un business à part si tu veux. Mais pas sur LMF quoi. Ça va être bien pour la fanfic de son anniv, les bites au coca. Pourquoi la bite au coca, ça m'a fait rire. Et pourquoi j'ai... En fait, j'ai l'image d'une bite au coca, si tu veux, un peu comme un... Salut Dolly. Comme un... Tu sais, comme un Mr. Freeze, mais en forme de quéquette. Putain. Ouais, t'arrives au bon moment, Dolly, j'espère que tu vas bien. Bon, en tout cas, ça va bien, hein. On a des sujets de conversation très sains, comme d'habitude. Voilà, lui, c'est bon. Au pire, est-ce que je peux pas directement passer là et essayer de... Non, c'était une idée de merde. C'est chaud d'être mauvais. C'est quand que tu finis Resident Evil Code Veronica, toi? Pourquoi ça parle de Bito Coca? Non, c'est rien. On discutait. Mais c'est un sujet comme ça au hasard. Hein. En tout cas, ma quéquette, elle sent pas le coca. Tac. Juste, je m'en vais. Cassez-vous, vos gueules. Oh putain. Bah. Alors. Tac. Non. Putain, mais. Eh, je cumule, hein. Je suis tout déconcentré avec ma quéquette au coca, là. Le fromage de quéquette assaisonné au Brescola... Oh, putain. Eh, ça donne envie, hein. Ça, le fromage de quéquette au four, mec. Non, je m'en vais. Tu rates. Vomi. Bon, pourquoi Yadar? Ma quéquette au coca, c'est un dieu dans Apocalypto, je crois. Oui. Exactement. Il a un cheval. Oh, de la vie. Pounce. Il y a un équidé. Oh, sa mère. Oh. Haha. Eh, tu vas faire quoi là? Eh, je me casse. Hop là. J'ai la clef. Oh la vache. Oui. Non, il est revenu. Par où on passe? Je me casse. Non, ta gueule, c'est bon. Oh là là. Arrêtez si je vous en supplie, sur la vie de ma mère. Oh là. Oh, c'est la panique, mec. En plus, faut que je réussisse à rester sur... Non, arrête. Oh putain. Mais il est qui lui? Oh purée de pommes de terre. Ouais. Je reviens. J'arrête. Si chaud un peu là. Hein. Passe-le. Attends. Attends, bouge pas. YouTube. Merde. Il est où? C'est lui là. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Y'a rien de plus, hein. Mais c'est juste ça m'éclate.
Y'a rien de plus, hein, vraiment, y'a rien de plus, hein. Mais j'aime bien. Ça me fait rien. Là, je sens que je vais en chier ma grosse race. Parce que je pense... Je suis pas level designer. Je pense que le mec avec son cheval, fallait que je le bute avant. Et du coup, là, je me retrouve avec plein de saloperies qui spawnent, plus maître cheval. Et c'est pas ouf, hein. Mais voilà, on est bien, on est tranquille, il y en a d'autres. Je l'entends, l'autre avec son cheval, là, hein. Arrête. Je suis désolé Pounce, hein, mais j'avais pas le choix là. Il m'a obligé finalement. C'est comme aux US là, les mecs qui se suicident avec les flics. C'est pareil. Ouais, ça va. Oh, ça merde. Non, mais c'est chaud là. Je peux essayer de rusher. Dans l'absolu. Mettons que je rush. Ah mais non, mais là je vais tomber sur le cheval. Je vais tomber sur le cheval, c'est une idée de merde. Non, regarde, hop là, esquive. Arrête. Mais regarde-les, ces gros dégâts du tiers-monde. Qui? À se faire camembert café avec une petite galette de terre. Ah, c'est délicieux les galettes de terre. Mais si le mec qui aime pas les galettes de terre, c'est ce qu'on a jamais mangé, hein. Vas-y, viens. Attendez, je m'en vais. Oh, ça merde. Non, mais putain. Si c'était pas bon, les Africains mangeraient pas. Exactement. Checkmate, comme tu dis. Ah, si, ça va me saouler. Mais il me saoule, canasson boy là. Casse-toi là. Oh, fais peut-être ton ultra pour les éclater. Mais ouais, je pourrais. Attends. Mais je sais même pas si ce serait vrai. Donc je disais, je sais même pas si. Enfin, je sais pas trop sur quelle arme l'utiliser en fait. Là, je t'avoue que je suis un peu... Je vais complètement ignorer ce qui vient de se passer. Hein. Je suis un petit peu... comment dire... je sais pas quelle arme utiliser dans cette circonstance, en fait. Non mais là dans le cul aussi c'est gueulerie. Je vais arrêter de lire le chat. Y'en a pas d'autres? Non mais vous foutez de ma gueule, là, faites pas genre, ils sont revenez là. C'est joli quand même, hein. Moi j'aime bien. Hop, on récupère tout. On fait une petite save et on se casse. Voilà. Mais bon, pas la peine de me prendre pour un con non plus, hein. Voilà. Y'en avait qu'un. Eh, voilà. 51% de fragilité entre scolaire et les doigts dans le cul. Et bah voilà, comme quoi, j'ai dit tout à l'heure quand je disais que la méga forge et la pédalerie, c'était plus ou moins un thème. Voilà.
Et ils me saoulent tous, hein. Pourquoi il y en a des milliards? Mais reviens! Qu'est-ce qu'il fait, ce con, hein? Petite save? Mais bon. Évidemment. Voilà. On n'a pas d'autre, hein. Putain de merde. Tiens, ta gueule. Non, dégage, il y en a un dans mon dos. Il y en a un dans mon dos. Voilà. Ça se rajoute à la fanfic, attention. Vas-y, t'as quoi pour l'instant dans ta fanfic, là, qu'on rigole? Casse-toi. Mais c'est quoi? Arrête, cassez-vous, hein. Attends. Avec ça, ce serait peut-être plus facile. J'ai 3 PV. Voilà. Hop, je crois que j'ai eu les deux. Non mais... Mais barrez-vous tous! Non, allez en bas. Casse-toi. Merde, je t'en supplie. Ouais, merci. Il en reste un. Rien, t'inquiète. T'es sûr? J'ai comme un doute, hein. Donc j'ai récupéré une clé. Qui va me servir, bien évidemment. Y a pas de la vie sur la vie de ma mère. Même un tout petit bout. Un tout petit bout de vie. Vous êtes sûr? Regrettez pas de pas me donner de la vie. Bande de païens. Je les déteste, hein. En bas, non mais en bas j'en viens, je suis con. Voilà. Y a de la ville, y a de la ville. Eh, on est mieux là. On est franchement mieux. Hop. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là? Yes, impeccable. Mange des cellules souches, ça va te donner santé infinie. T'es sûr que c'est comme ça que ça marche, Yadar? Je vais pas remettre en question tes compétences scientifiques, hein, mais... Je crois que tu manques une ou deux étapes à la santé infinie, hein. Certains? Bah écoute. Je sais pas où je peux en choper des cellules souches, mais... À ton avis, il fait comment, Drucker? Ouais, mais Drucker, c'est quand même pas pareil. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Attends, de quoi? Déjà, ça vient d'où? Ça vient tout en bas du... En bas? D'accord. Donc hier, c'est pas juste un immortel? Bah, c'est un peu... Ouais, si. Allez, allez. Non, faut... Mais t'es con ou quoi? Voilà, merci bien. Et du coup, maintenant, faut que... bah voilà. C'est Drucker, la cellule souche. Cellule souche, non. Drucker, c'est la cellule souche primordiale, en fait. Ça, on vous l'apprend pas à l'école parce que les grands médias veulent pas que vous le sachiez, en fait. The Orcle, ça ne veut rien dire. Ou c'est moi qui suis con? Putain. C'est Goli, hein. Ouais, bon. Trop bien ton scénario d'Evangelion, Momo. J'ai pas vu Evangelion et les animés, c'est de la merde. The Circle. Ou alors tout de suite, c'est facile quand on a appris à lire. Hein, bon. Pourquoi il y a encore un canasson, là? Casse-toi.
Non mais... Moquez-vous, allez-y, continuez là. Vous êtes ridicule, hein. Et après ça vient là, genre oui, oh, le cyberbullying, c'est pas bien, hein, ouais, ouais. Bande d'hypocrite là. On vous voit. Hein. On voit votre véritable nature. Faut que j'aille où? Ah là, merci Russienne. Toi au moins t'es un pote. Apparemment j'ai fait un truc. Je ne sais pas quoi, mais apparemment j'ai fait un truc. Quelque chose qui s'est activé là? Bah déjà il y a des connards là. Merde. Ils sont relous eux. Barrez-vous. Voilà. Hop, mieux. Bon, j'ai activé un truc, je crois, mais ça a débloqué quoi? Il y a des trucs en dessous? Non, que dalle. Mais pourtant, une grande femme a dit « Regarde-le bien, Sébastien. Or, s'il ne peut pas ouvrir les yeux, il y a incompréhension. » Exactement. J'ai rien compris ce que t'as dit, mais exactement. Ça, c'est un truc que les gens... ils ont du mal, un peu. Il m'en manque un. Il est où? Par là? Non, c'est là, c'est là d'où je viens. Il y en avait peut-être un. Et pourtant, on vit en société. Et oui, c'est le pire. Rendez-vous compte. Il est où le dernier? Va falloir t'écrire en braille ou quoi? Bah, bien sûr. Le braille, c'est plus facile à lire. Hein. Il est assis là. Tac. Séquence complète. J'en prends bonne note. Et du coup. Ouais. Ah, c'est ouvert là-bas, ok. Il parle comme les Goa'uld. Voilà. C'était mon petit statement un peu politique de la soirée. Mal. Pourquoi? Qui mal? Parle mal les Goa'uld. Bah non, il parle bien. À part en effet. Mais c'est pas un Goa'uld, Teal, qui se faisait de débile. Putain, il connaît pas le lore de Stargate, que ce loser. Ah, on de merde, hein. Je te déteste d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Eh, hey, ils me font chier ces chevaux là. Oh, merci Fall Kicks. Attends. Ça y est, c'est chaud là. Merci Fall Kicks pour tes 18 mois de sub. Et que tu n'as pas laissé de message, si je dis pas de conneries. Non, tu n'as pas laissé de message. Mais je te remercie quand même. Du coup là, c'est chiant, parce qu'en fait je vais tout recommencer. On va prendre note. Hop, si j'ai pas sauvegardé, je suis un peu... voilà.
Attends. Vous m'avez saoulé, quoi. Merde. J'ai chié un peu là. Bah, j'ai loupé un truc ou quoi? Attends. Sinon je dois être con hein. Ah oui ok, non c'est bon j'ai. La vache. Au fond du bordel quand même hein. Du coup c'est Spider, c'est l'Académie nationale maintenant. Quoi. Relou hein. Il est où mon... Ouais, ça. J'aime bien. C'est chaud. Ils sont relous hein. En plus ils volent. Ils font de la magie, en plus Jésus il va vous enculer hein. J'espère que vous l'avez noté ça hein, parce que... One more. Et le dernier il est où déjà? Il est là-bas je crois. Si j'étais à l'Académie nationale, j'aurais... Académie française, j'aurais pas foutu de LOL dans le dico moi, c'est pas l'Académie française qui s'occupe des dictionnaires hein, c'est pas dire. Mais bon, c'est pas grave. Et je tiens à noter aussi quand même, au cas où il y en a parmi vous qui se poseraient la question, les mecs de l'Académie nationale c'est quand même des sacrés gros cons. Hein. Je sais pas, voilà, mais ça me paraît important de le dire quand même. Ah non, ah non non non, non arrête, putain de, mais c'est quoi ça? Pourquoi des fois ma souris ne marche plus? Et pourquoi c'est toujours à des moments cruciaux? Mais non, mais en plus, j'ai juste dit que les mecs de l'Académie nationale, enfin de l'Académie française, c'était des gros cons. Pourquoi il y a du karma? Enfin, mon karma, il devrait être positif. Parce que pour de vrai, c'est des gros cons. Mais pourquoi c'est des connards, les mecs de l'Académie? Parce que c'est des gros élitistes de merde. C'est des mecs qui pensent que si tu sais pas parler français, t'es un peu un gros con. Attends, je pars du principe que des gars dont le boulot c'est d'écrire des dicos qui en ont écrit 9 dans toute leur histoire, c'est forcément des cons. Non, puis même, enfin, déjà, d'une, les mecs de l'Académie, enfin, l'Académie française, c'est ultra politique en fait. C'est, on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est ultra politique, tu rentres pas à l'Académie française comme ça, tu vois. Et c'est eux en fait qui élisent entre eux qui va rentrer dans l'Académie, tu vois. Et ouais, t'as des mecs qui sont à l'Académie et qui n'ont aucun background littéraire en fait. Genre t'en avais une, je crois, elle était juste secrétaire d'état, elle avait pas écrit vraiment de bouquin dans sa vie.
Et elle était à l'Académie française parce que, bah, politiquement, elle était orientée comme eux, ils voulaient, en fait. T'es en train de dire des trucs de gauche, la mot, fais gaffe, hein, c'est comme ça qu'on attrape le communisme. Mais non, c'est pas de gauche, c'est des gros cons, j'y suis pour rien. Eh, la connerie, c'est pas politique, hein. Il me saoule. Mais du coup, fallait où pour rajouter Chombla dans le dico? Bah, faut que t'écrives ton propre dico. Tu peux, hein. Je vais claquer ma main. Arrête. Crevez vos mères, merci bien. Le gros Robert, ouais, voilà. On écrit le gros Robert. J'ai failli dire une énorme connerie. J'ai failli dire une énorme connerie et j'en connais sur le chat qui m'aurait pété la gueule. Mais ils sont galères les mecs ici, tous en cristaux là. Mais oui, ils sont ouais, le gros Robert quoi. C'est pas ça la connerie que j'allais dire, hein. Oh putain. Ils sont galères un peu, hein. Portez bien à bras levés. Mais non, mais quand j'ai dit que j'allais dire une connerie, c'est pas une blague. C'est pas que j'allais dire une bêtise, genre j'allais dire ah, le gros nigger. Non, 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 j'allais vraiment dire une grosse connerie. Putain. Ils sont relous, hein. Ouais, ouais. Je peux utiliser ça aussi en vrac. Peut-être que ça marche mieux. Je vais pas dans le bon sens là, si. Si. Tiens. Mais regarde ce qu'ils prennent, ces cons là. Tiens, dégage. Putain, elle est relou quoi. Ah, il a fait dire un secret, non? Je vois pas de quoi tu parles, espèce de bâtard. J'ai pas du tout fait dire un quelconque secret. Quel secret? T'as des secrets, toi, Russian? Ah ouais. T'as des secrets. Tu ne nous dis pas tout. C'est pas très gentil, hein. Y'a plus de vie. C'est la merde. Mais il sort d'où, lui? Marrant, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, tu vois. Mais ouais, ma vie était à 3. J'estime qu'on a tous droit à notre jardin secret, c'est bien vrai ça. Voilà, je crois que là on est un peu plus tranquille déjà. Hop. Ils sont longs les chapitres quand même, hein. Je dis pas forcément ça d'un point de vue négatif, même si ça dépend un peu. Mais genre là, ça va faire 1h30 qu'on y est, on a toujours pas fini un chapitre quoi. Après vu comment ils sont travaillés, je trouve ça plutôt une bonne chose, ouais. Enfin ton jardin secret, c'est un terrain vague où il y a des gamins qui jouent au foot. Bah c'est un jardin secret quand même, hein. Je vois pas où tu veux en venir, mon cher Spider. En plus, c'est marrant de jouer au foot. Ah, nice freaky dab sur ma co internet. Ça, mon poteau. Ça m'arrive de plus en plus souvent, mais c'est vrai que c'est relou un peu. Quand ça te coupe, encore, genre ça te l'a pas coupé. T'as pas fait de foot, toi, pas le foot que j'ai
U où je devais rester goal. Ouais, mais c'est parce que t'es mauvais en fait, c'est tout. Le problème il vient pas du foot, il vient de toi. Hein. Mais ouais, free, ça m'arrive de plus en plus souvent que ça me coupe aussi. Et je t'avoue que pour l'instant c'est encore jamais arrivé en stream. Mais je t'avoue que je me chie un peu dessus parce que si ça m'arrive pendant que je stream, je risque de péter un plomb. Faut que j'aille où? Là-bas. Hop. Oh putain, vos gueules. Attendez, je m'en vais. Hop, on va se mettre, voilà, ici, on est bien. Et puis être goal, franchement, c'est pas si relou que ça. Hein. Si au pire, t'es devant ton but, tu te chill. Si ton équipe, elle est bonne, t'as pas trop à gérer le truc. Donc franchement... Il m'a enculé. Crève, ouais, merci. Tous les potes, ils sont sympas en vrai. Non, pas tous. Comme mon volume il était égal au carré du volume du but, j'attrapais les ballons de hand avec mon visage, c'était trop fun. Ah mais ça... Mais le hand en plus c'est fourbe un peu à ce niveau là. Hein. Mais genre là c'est relou un peu niveau level design parce que eux ils te balancent des trucs qui font du space damage. Mais t'es sur une, un petit truc comme ça, tu peux pas trop les esquiver, je trouve que c'est un peu salope. Et je dirais que les développeurs sont communistes, voilà. Ça j'ai... c'est bon. Oh sa mère. Alors faut que je remonte je crois. Mais attends. Ouais, après, suffit d'ouvrir sa gueule, hein. Voilà, défense a fait de la merde, tu lui dis, hein. Non. Pardon. Wow, c'est chaud la technologie, poteau. J'ai où, faut que j'aille là-bas. Hop là. Et. Ouais. Mon pote préféré, c'était latéral, c'était trop bien. Ben, moi je jouais un peu, si tu veux, comment. C'est-à-dire, il y a un poste libre, vas-y, chaud. Tu vois. Donc, ouais. Attends, hop, là, je ferme la porte. Merde, hop. C'est la fin du niveau. Oula, non. Je kiffais les tribunes, moi, c'est pas mal aussi, hein. Quand tu fais capot pour les ultras. Oh putain, mais c'est une blague. J'étais en train de me gratter les oreilles. C'est fourbe ça. Hein. Ça, c'est pas fair play. Hein. Arrêtez, je m'en vais. Mais bon. Non, par pitié. Arrête. Seigneur, Dieu. Jésus, quelqu'un. Voilà. Moi, je kiffais le poste où tu joues au Kartugio à côté. Ouais, mais vous êtes des feignants un peu, non? Putain, il me saoule. Mais c'est quoi ces relous là? Il faut gueule. Attends. Non, pas ça. Ça, ça marchait bien ça. C'est quoi cette orgie? Est-ce que t'as joué à Dusk? C'est par le même studio qui a eu... J'ai pas joué à Dusk personnellement. Enfin, j'y ai joué un peu, mais j'ai pas fini. J'avoue qu'il m'a, pas trop plu. C'est pas trop mon genre, mais à Medieval par contre, ouais. Mais il y a Russian qui doit être présent sur le chat qui a joué lui à Dusk et qui a bien kiffé d'ailleurs. Bah reviens. Il est en allée. Hop là. Tu vas mourir un jour hein, ou c'est relou? Hop là, merci. Ah oui, c'est quoi ça? Ok. Ah
Putain, ils sont fourbes un peu, hein. Il y en a d'autres ? Ouais. Je suis bloqué. Voilà. C'est chaud un peu niveau ville. Attends. Non, pas ça. Sérieusement? Voilà, mieux, j'aime bien. Non, pas ça. Oh sa mère, dis. Pourquoi je suis bloqué là? Arrête. Ouais, peut être enculé, cassez-vous tous. Alors là, je ne vous lis pas parce que je peux pas faire deux choses en même temps et c'est chaud du cul. C'est bon? Non, c'est pas bon. Toi, viens là. Il y en a d'autres, putain, mais va se calmer, non? Mais non. Mais ah, j'ai des pubs, d'accord. Je peux pas monter en haut là, genre en activant ça. Ouais. Oh là. Il y en a des milliards, c'est normal? Non, non. Ah putain. Ouais bah ouais, descendez, c'est plus simple. Hein. Hop là. Me saoule là-haut là. Allez, monte, merci. Eh mec, je suis débile hein. Attends. C'est bon? Je crois que c'est bon. Pense à ta fanfic Momo, courage. J'y pense. J'y pense très fort même. J'ai hâte en vrai. De pouvoir vous la lire en stream. Et ce qui est bien en plus, c'est que si je la lis en stream, en fait on pourra voir. Comment dire? Parce que moi je vais la lire. Donc ok, c'est peut-être un peu chaud, tu vois. Mais c'est toi qui l'auras écrit, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ton esprit malade, ceux qui... que les gens se souviendront en fait.
Le poids de la honte ne pèse pas sur tes épaules, c'est ça que tu dis, t'inquiète. C'est ça que tu dis, oui. C'est exactement ça que je dis, c'est-à-dire que je suis pas responsable finalement. Quelque part, je me dédouane complètement, moi je suis juste le lecteur. C'est déjà fait, j'ai pas besoin de ça, t'inquiète. T'as pas besoin de quoi? De quoi? Attends, j'ai pas compris. Ah, moi je suis pas responsable, je suis le messager quelque part. J'ai pas de honte à avoir. Oh merde. Ouais. Y'a de la vie là-bas. Y'a de la vie là-bas. Vite, 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 vite. Ah oui, ouais, les gens se souviennent déjà de ton esprit malade, tu penses? Bah tant mieux alors. Hein. C'est toi qui pousse l'écriture aussi. Ouais. Pas tant que ça, hein. Voilà, ça fait du bien. Moi je dis juste, si vous le faites, je la lis. C'est pas poussé. C'est juste une proposition à la rigueur. Eh hey mec, t'imagines ça en RTX? Imaginez 2 minutes. Ça en RTX. Hop, tac. Et non, je me considère pas. Personnellement, je me considère pas comme étant l'instigateur de la saloperie, tu vois. Mon esprit est innocente. Voilà. Par là. Mais je nage dans quoi? C'est de l'eau ça? Parce que ça a pas l'air d'être de l'eau en fait. Et c'est chiant aussi un peu. Voilà. C'est là-dedans que j'ai pas été je crois. Attends. Dans lequel que j'étais? C'est dans celui-ci. Donc faut que j'aille là-bas. Intéressant. Ah, c'est de l'ésotérique, ok, d'accord. Je comprends mieux du coup. Ah bah voilà. Tout c'est là-bas. Ouais non, on est d'accord. Faut que je remonte encore. Putain, mais relou quoi. Attends. Hop, ça je suis à fond déjà. Je remonte par où déjà? Par là. Encore. Putain. Quand il s'agit de me faire chier, il se lasse pas, hein. Hop, tac. Oh putain. Fouille, tous là. Arrêtez, immédiatement. Voilà. On est mieux là. Du coup, ça c'est activé. Il faudrait que j'active ça, mais j'ai pas la clé. Ah si? Oh bah, c'est bon là. Ouais, alors ça, bon ça je l'ai vu venir. Chou, je suis là. C'est où là? Là, ok. Ouais, ok. Tac.
Hop. Tu vois, côté Thaïs, c'était les clés. Ouais, ouais, mais attends, je vais te montrer. C'est peut-être moi qui suis con, hein. Mais attends. Parce que tu vois, genre, celui-ci, je l'active. Bon, ok, j'avais la clé en argent, tu vois. Pas de problème, je vais crever ma race. Mais l'autre, on dirait qu'il faut une clé en or, et pourtant ça passe quand même. C'est pour ça, tu vois, que j'étais un petit peu... voilà. Par contre, avec 5 PV, je sais pas trop ce que j'espère. Bon, je les ai eu ou quoi? Oh là non, il en reste un. Tu l'as prise? C'était écrit. Ah, ok, bah attends pour moi alors. Ah putain! Aveugle. Oui, bah je t'emmerde aussi peut-être, monsieur, je sais tout là. Tac. Yes. Attends. C'est ça, il me reste 27 munitions. Très bien. Ça, il me reste 40. 50. Ouais, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ouais. Ça va être chaud un peu quand même. Non. Là, c'était osé quand même. Hein. Y a pas d'autres trucs là. Oula. Je suis retourné loin en arrière quand même. Hop là, des munitions. Ils m'ont suivi jusque là, c'est con quand même. Hein. Non, non, non. Ah putain. Ah putain. Vous avez vu, cette fois-ci j'ai fait attention en buvant. Et moi je suis pas foutu partout. J'apprends de mes erreurs. Ça c'est ma plus grande force. Et que je suis con, mais j'apprends de mes erreurs. Du coup, petit à petit, je suis de moins en moins con. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que si je trouve la solution à la vie éternelle, genre, je peux devenir super intelligent. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Non, je suis bloqué. Je vais encore crever. Ouais, mais je suis un con. Hein. Là, je suis un con et j'ai pas appris mes erreurs. Putain, il est dur, mine de rien, comme jeu. Hein. Hop là. Récupère ça. Je peux faire une sauvegarde d'ici d'ailleurs. Pas qu'à faire. Hop là. Allez, monte. D'ici, je peux peut-être les niquer, les chiser un petit peu. Ouais. Ça va? Oh, ça merde. Non, je peux pas trop les chiser d'ici.
Ils sont trop rapides, c'est con. J'ai ouais, ça peut-être. Mais ils sont résistants, c'est con là. Ta gueule. Ils sont résistants, mais ils sont un peu cons aussi, donc bon, ça va. C'est bon ? Ok. J'ai peut-être... Je crois que j'ai laissé de la vie là-haut. Non ? Peut-être que j'ai des conneries, hein. Ouais, j'ai des conneries. Hein. Parfait. Ouais. Bon, bah écoute, je vais tenter comme ça. Déjà, je vais save. Hop. Si j'ouvre ça, ça fait spawner des trucs? Non. Il y a pas mal. Par là, j'ai rien. En rab. De munitions, de la vie, là, si, tac. Parfait. Oh, salut, Eltior. Et merci pour tes 2 mois, ton 2e mois, c'est bon, je suis pas con. Je sais compter. Merci beaucoup, poto, hein. Ça fait plaisir. Oh là. Eh hey, mais ils sont fainéants de la bite, hein. Ouais, attends. Ouais. Mais j'ai déjà plus que 8 points de vie, je fais quoi avec 8 points de vie moi? Oh là, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Bah... Ok, c'est bon. Hop, de la vie peut-être, un truc, quelque chose, la fin du niveau. Jésus, parfait. Hello, ça faisait longtemps que je suis pas revenu ici. Eh ben écoute, nous on bouge pas, hein. On est toujours là. Secret 0 sur 5, et c'est là que je suis le meilleur, si tu veux. Je découvre aucun secret, j'ai pas besoin de ça. Hop. Boss de fin peut-être. J'ai plus que 8 points de vie, il y a de la vie là. Je vais en avoir besoin. Y'a... Oh, ouais, ok. Alors, bon. Y'a comme une vague odeur de boss de fin là. The summoned already... The summoned one... Oh wait, ok. J'en prends bonne note aussi. Tac. Une clef. Comment ça pue de la chatte? Pas dans l'eau, non. Quoi? Quoi? Comme... Ouh. Oh putain. Mais non! Attends. Ah ouais! T'es vraiment une petite PD de merde, hein? Hop là! Mais en plus, ils sont deux! Pourquoi ils sont deux? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en avoir deux? Hein? Un seul? C'est pas mal aussi. Non, mais je trouve ça un peu facile. Oh putain. Je peux... Aïe aïe. C'est chaud en plus, j'arrive même pas à voir de... Comment dire? Ah là c'est chaud de ouf là. J'arrive pas à... Enfin, y a pas vraiment de feedback en fait, si je les tape ou si je les tape pas, tu vois. Genre c'est un peu... Ouais. Un peu chelou.
J'avoue que ce boss là je l'aime pas. Tu vois. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ça, je sais pas. Après j'ai leur barre de vie aussi Oh. Et le tueur qui donnait 15 balles. Un petit don qui ça m'a manqué, bah écoute, nous aussi ça nous a manqué. Merci potent, ça fait plaisir. 15 balles tac. C'est pas mal. Non. Ah si c'est bon. Putain de merde. Eh. Allez, plus qu'un. T'enculé. Hein. Sale PD. J'ai perdu ma place pour mes dons. Ouais, t'inquiète, mec. Hein. Je t'avoue que s'il y a un truc auquel je fais pas trop gaffe, c'est l'échelle des dons. Déjà fait, rien que le fait de faire un don, si tu veux. T'as dit ça, j'ai entendu l'oncle bourré, mais je suis l'oncle bourré, Yadar. Donc, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce que tu veux dire par là, mon bon Yadar. Oh. Oh putain. Si attends. Est-ce que je peux tenter un truc comme ça là? Un peu ouais. Oh là, c'est chaud. J'ai plus beaucoup de vie aussi, hein. Il y a de la ville, un peu. Ah, c'est chaud, mais en plus... Putain. J'en ai eu un, je crois. S'il revient, là, on va se marrer. Hein. Je vous baise, moi. Je prends pour qui Je peux remonter maintenant, s'il vous plaît? Ce portal awaits above. Bah ouais. Ah, ok. Ouf. T'es un BFG, non? Ouais, bah voilà. Exactement. Du coup, je vous ai pas trop lu. Je sais pas trop de quoi vous avez raconté. Oh, sa mère. Oh, oh. Calme-toi. Oh. Speedrunner for beating part. Oh! Destroyer. Destroying all decoration. Ok. Et kill. Oui, bon. Et B. Hop! Oh la vache! Welcome back, champion. Oui. Hop, donc ça c'est bon. Quoi d'autre?
Attends, bon, j'ai un doute. Ça, je vais te passer. Ouais, ok, c'est bon. Du coup, je crois. Attends. C'était pas la fin? Comment ça, la fin? C'était pas la fin du jeu, non, hein? Là, c'était la fin du chapitre. Ouais. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Bon, je vous dis à la prochaine. Bisous, Elthior. C'est où les prochains niveaux? Sans vouloir vous commander. Mais c'est déjà. Mais. Comment je fais pour me paumer dans le hub? Parce que le pire, c'est que dans les vrais niveaux. Ah. Solar Solstice. Putain, ça donne envie. Alors, par contre, avant toute chose. Est-ce que. Tac. Est-ce que vous voulez que je continue à Medieval ou que je passe à autre chose? Je peux. Enfin, à autre chose. En gros, je continue à Medieval ou je vais sur Iron Maiden? En gros. Ça, c'est la question. Dites-moi si vous voulez, je vais me rouler une clope en attendant. Continue. Non, ça, c'est bien. J'aime bien. Encore un peu à Medieval et ensuite à Iron Maiden. Bah, Russian, le truc c'est que. Si je continue. En gros, voilà. Si je continue, c'est-à-dire que je fais un autre chapitre, et comme vous l'avez vu, un chapitre ça dure à peu près 2 heures. Donc là, si je continue, en gros, ça va nous pousser jusqu'à minuit. Je sais pas si j'aurai vraiment trop le temps de faire du Iron Maiden après, quoi. Continue. Eh ben, je vais continuer. Je me roule une clope vite fait, on peut discuter si vous voulez. Vous avez des choses. Vous avez fait quoi ce week-end? On était quand? C'était pas. Non. Je vais continuer du coup, vous inquiétez pas. Vous avez fait quoi ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Comme dirait Russian, quel est le train fort de votre semaine? Même si on est mardi. J'ai vomi, pas mal. Pas qui vote pour Medieval aussi? Eh ben, écoute, c'est à l'unanimité à Medieval, très bien. J'ai révisé. Ah, comment il s'est passé ton partiel, Yadar? Dis-nous tout. Est-ce que tu l'as enculé ou est-ce que tu t'es fait enculer? Ça m'intéresse. J'ai fini de jouer, mais t'as fini quoi? Dis-nous plus. Développe. Is ok. Mais is ok, ça veut pas dire grand-chose, ça. Dis-nous tout, voyons. Exprime-toi, dis-nous, on veut savoir. Est-ce que tu vas définitivement être chômeur plus tard ou est-ce que t'as raté ton partiel? Je sais ce que j'ai dit. Non, ça va, j'ai pas trop fait de la merde. On a un pack. Tac. Eh, je suis malin, hein, je réfléchis. Hein. Est-ce que mon shielding il est sec? Est-ce que je peux le remettre? Eh, en vrai. Entre nous, ça sèche vite le coca. Donc hop, je suis plus en quelle barre. Tac. Elle est chelou ta question, par contre il y a la réponse dedans. Comment ça il y a la réponse dedans? Non, je t'ai demandé si t'allais être chômeur ou si t'avais raté ton partiel. En quoi il y a la réponse dedans, je comprends pas. Ouais, tac. Non, arrête. Hop, tac. Mais non, mais je suis con. Hein. Continue de jouer, moi. Oui, je vais continuer. Comment ça, il y a la réponse dedans? Bah non, est-ce que... Ah, attends. Ouais, non, si, non, si, c'est bon. Mais quoi? Si je suis pas fou. Est-ce que... Est-ce que... Tu as...
rater ton partiel ou... Attends. Je sais plus. Je sais plus, je suis perdu. Mais non, mais ça a du sens en plus, c'est vous qui comprenez pas. Est-ce que tu... Attends. Ouais. Est-ce que tu vas devenir chômeur ou est-ce que t'as raté ton partiel? Non, y a pas de réponse dedans. C'est une vraie question. Donc la réponse est dedans. Mais expliquez-moi dans quoi elle est dedans alors. Elle est où la réponse dans la question? Non mais je comprends, Momo, t'inquiète, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je suis pas fou. Mais je l'ai dit, lis-moi. Mais non, tu l'as pas dit. Attends. Je suis occupé là, hein, 2 secondes. Y en a qui bossent. Hein. Bah oui, si tu... Bah oui. T'en connais beaucoup des gens qui ont fait des études et qui bossent? Moi j'en connais aucun. Hein. C'est quoi cette merde? Ouais, ça va de... Mais il est con. Bah bien sûr que ça marche comme ça. Mais oui. Salut Nick. Ils ont l'air plus fragiles ces gens-là. Pourquoi il y a des anges? Ça y est, je suis mort. Crève. Je suis buant comme jeu quand même. Moi, j'aime bien. C'est des trous du cul. Qui donc? Les anges? Tiens. On l'avait pas volé celui-là. C'est quoi ta gueule toi? Oui, bon. Momo et la réflexion, dirais-moi avec les maths. Non mais les maths, je comprends pas non plus. Hein. Vous savez que... J'ai jamais... connu mes tables de multiplication. Genre, jamais. Et quand je dis jamais, attention hein. Jamais. Mais des maths aussi, c'est chaud un peu. Hein. À partir de laquelle tu galères? Non, tu m'as pas compris, Drektan. Je n'ai jamais connu aucune de mes tables de multiplication par cœur. Salut, Bana. Moi non plus, je connais pas mes tables. Pourtant, j'ai 18 en maths. Non, moi, j'avais 3,5. Mais... Comme quoi, au final, ça veut rien dire. Hein. Alors attends, moi j'avais 15 ou moi j'avais moins 15? Si tu peux l'écrire en toutes lettres, je suis pas sûr de comprendre. Et c'est marrant parce que de mémoire... Ah, je t'ai béni. De mémoire, les notes, elles peuvent pas aller dans le négatif. Négatif... moins 15. Ah oui. Mais comment tu fais? The sun brings warmth and a good life to those who would worship. Oh, dis donc. Ça va? Lui, il est bien, là. Il se repose un peu. 2 cents to reach gold. Oh, oui, bon. Après, oui, s'il y a de l'or, ça peut m'intéresser. Là, il y a encore de la vie. Tac. Alors, bon. Je suis paumé, hein. Après, bon, j'ai arrêté l'école en 4e, donc ça joue aussi, hein. Mais bon. Thalès, c'est pour les angles des triangles. Mais le pire, c'est qu'en géométrie, tu vois, ça va. Mais comment dire,
J'ai pas trop le choix, si tu veux, de connaître un minimum la géométrie par rapport à mon boulot en fait, même si là actuellement je suis au chômage. De manière générale. De manière générale, vu que je suis soudeur, si tu veux. Ils me font penser un peu au... Comment ? Oh la vache. Aux... Les mecs avec les boucliers là, ils me font penser un peu aux ennemis de Return to Castle Wolfenstein un petit peu. Genre eux là. Ouais non, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Homo, c'est le seul vrai forgeron IRL. En vrai, j'aimerais bien avoir une petite forge chez moi. Mais vu que je suis en appart, c'est chaud, tu vois. Mais en plus, une petite forge, c'est vraiment pas trop galère à choper. Un petit truc bidon, tu vois. C'est genre, t'as des petites forges, ça fait la... Comment, la taille d'un micro-ondes, quoi, en gros. Hein. Ça brûle. Fini ma club de seconde. Ah bon, il retourne. Voilà. Et ouais, avoir une petite forge pour faire des conneries, trucs comme ça, pour être marrant, quoi. Mais ils sont relous, Ouais, c'est bon. Hein. Alors toi, ça va? Tac, ça je prends, c'est pratique. Kasotoa, attends, j'ai rien suivi à ce que vous avez raconté en fait. Vous parlez de quoi? Toujours des maths? Très bien. Le pire en maths, c'est les équations, mais moi, à partir du moment où il y a des chiffres, si eux, ça me saoule. Et le pire, alors après, attends, après, ils rajoutent des lettres et tout, mec, enfin... À ce niveau-là, c'est du satanisme, hein. Faut que je monte, là? Bah non, je suis déjà monté. Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Là? Ouais, là. Hop, ça faut la silver key, j'en prends note. De toute façon, les maths en cuisine, bah à la rigueur, les proportions. Voilà. Mais après, c'est vrai que je pense que la géométrie en cuisine, c'est pas forcément... Ah là, bah dis donc. J'ai mal, je souffre. Mourez. Ah là on est bien. Non, ça c'est 4. 1. The Lunar Worshippers must be silenced. Ah oui. Their heresy knows no sounds, no bounds. Our time is at end. Ok. Oh là. Oui, d'accord. Elle pue du cul cette salle. Voilà, merci. Merci de me donner raison, monsieur. There is darkness on the horizon. I have kept the key here for safekeeping. Guard it well, brothers. Je vais en faire ce que je veux de ta clé de merde. T'es pas mon père. T'as 12, ta calculatrice. Il me fait peur, lui. La clé d'argent, fallait que je la foute par là. Non, pas par là, là-bas.
Mais je peux pas monter, mais comment? Attends. Il y a, à mon avis, il y a un truc que je pige pas. Ou alors faut que je passe à... Bah oui, voilà, je suis con. Quoi? C'est, ok, c'est ça. On en fout, du coup. Là, faut que je monte. Tac. Et la clé d'argent, elle est là. Voilà. Ok. Hop. Je me suis arrêté à écrire de la merde avec des chiffres. Moi je me suis juste arrêté. C'est quoi le dernier truc que j'ai appris en maths? The night brings sadness. Ça va, Evanescence, vu que je t'aide peut-être. Moi les maths, je crois que je me suis arrêté en CM2. Après, je me suis dit, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer si tu veux, c'est pas fait pour moi. Écrire Booby sur la calculatrice. Ouais, ça, ouais. Ou elle baise. Ouais. Ça, ouais, avec les copains en cours de maths, poteau, t'inquiète pas. Hein. On se marrait comme des cons derrière, tu sais, au fond de la salle. T'avais la prof qui disait, c'est quoi vous fait rire, dis donc Nous, t'es là. On ne sait rien, madame. Voilà. Arrête de me brûler la bite. Oh putain, je suis un trou du cul de merde. C'est chaud de la bite. Dans le fond, que du radiateur, best spot, mec. Ça, j'avais un don pour choper les radiateurs, mon gars. Un véritable virtuose. De la vie. Ah. Mais non, mais vous me faites chier tous. Nous, on chantait un régiment de fromage blanc de plus en plus fort. Je connais pas. Hop, là, ce qu'il faut, c'est... Oh là. Je m'en vais. Hop là. Ouais. Oh, sympa, cet écran de mort. Je le connaissais pas. On avait quoi comme jeu à la con, je me souviens plus. Ouais, non, ça c'est... Ça c'était une idée de merde. Je sais plus trop ce qu'on avait comme... on avait aussi, alors, les lasers. Les stylos laser. Alors ça, poteau, laisse tomber, hein. On en a mis des profondes dépressions avec cette merde, hein. Ouais, non, bah alors ça... Les sarbacanes effaceurs, oui, Foxy. J'ai réussi à te lire. Ça, c'est chaud un peu, hein. Mais oui, les sarbacanes effaceurs, ça, pareil. Putain. Ils sont relous, eux. Non. Ah, putain. Je mange du poulet, c'est dur. Putain, la fâche. Moi aussi, j'aimerais bien manger du poulet. Mais j'en ai pas. J'ai mal à la tête d'un coup. Attends, je vais boire de l'eau. De pas mettre de graisse partout. Pourquoi tu voudrais pas mettre de graisse partout, Foxy? Je comprends pas. C'est bien, tu mets de la graisse genre sur ton clavier. Comme ça, après, quand t'as faim, tu lèches ton clavier. Alors, malin ou pas? Eux, ils vont me casser les couilles, hein. J'espère que c'est... Enfin, que c'est plus ou moins clair pour tout le monde. Y'a pas de la vie qui traîne quelque part, là? Sur la vie du petit Jésus, s'il vous plaît.
Dites-moi qu'il y a de la vie quelque part. Là-dedans, là, il y en a, là, j'en suis sûr. Non, mais en vrai. C'est pas de la vie, ça. Ça, mais non, mais j'y suis déjà allé, là. Là, il y a de la vie. Hop. Ça, je prends. Il sort d'où, lui? Oh, dis donc. Je te permets pas. Mais... Ils sortent d'où, tous, là? Hop, bon. Ça va un peu mieux. T'as un BFG caché dans cette salle. Oh, mais s'il est caché, Secret area found. Invisibility. J'en prends note. Tac. T'es passé devant. Ah, nice. Donc, je suis vraiment con. Il est où? Ah, il est là. Ouais, mais comment j'y vais là? Attends. Merde, non. Si je passe par au-dessus. À mon avis, c'est ça. Hein. Je suis pas. Voilà, mais à mon avis, c'est ça. Tu montes et tu te jettes de la fenêtre. Ouais, voilà. Donc par là, je crois. Non, il est en face. Ok. Allez, monte. Mais il faut que je passe de l'autre côté. Attends. Oh putain. Ah mais il me renvoie mes trucs en fait. D'accord. Eh, ma souris qui bug, putain. Aïe, ah, mais bien sûr. Ah bah, on fait moins le malin. Bah oui. Tu l'as pas volé, celle-là. Donc elle est juste en dessous là, elle est juste en dessous le... Non. Voilà. Tac, merci RTS. Tac, ok. Alors faut que je retourne. Faire une save quand même, hein. On est pas des sauvages. J'ai mal au crâne, putain. Appeler. Take. 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 Là-bas, j'y suis allé. Ça. Ok, d'accord, en shortcut. Ah, putain. Voilà. Mais en fait, c'est moi qui suis débile depuis le début, en fait. C'est pas qu'ils font mal, c'est juste qu'ils renvoient les dégâts. Et du coup, je me prends tout dans la gueule. D'accord. Creux, toi.
Oh, oh. Hein. Hop là. Oh la vache. Hop là. Eh hey, mais vous êtes relou là. Arrêtez de venir. Hop là, je crois qu'il, par contre, qu'il renvoie pas les dégâts de la masse. Bah, j'ai crevé, merci. C'est quoi ça? See the light and revelation is at end. Ok. Attends, il est chiant lui. Voilà. Mieux. Je brûle. Hop là. L'explosion petit bout, j'ai faim. Lui il est bien. J'ai faim de ouf. Hop là. Je kiffe cet environnement, il est très stylé, ouais. Mais ouais, ils le sont tous, hein. Mais ouais. The sun gives us sight for which to fight. Bring on the night. Waouh. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle encore plus. Voilà. Un escalier c'est débloqué. Eh hey mec. Alors je le redis encore une fois, mais ça avec l'RTX mon gars, ça va tellement être ouf. Oh là. Plus de la schneck un peu ça. Hein. Ok. Non, non, non. Voilà. Pas que je vous aime pas, hein, mais là vous m'avez saoulé. Hein. Qui c'est qui me tape là? Ouais. Toi c'est pareil, tu l'as pas volé. Tac. Oui. Aïe. Oh là. Oula. My eyes stained by dark vision. I shall seek guidance at the tower. Ah non. C'est la première fois qu'on voit un message signé, je crois. Palo, palo, oh là non. Ok. C'est bon. Voilà, pas la peine de paniquer. Elimination complexe. Bah, c'est hyper. Hop là. C'est bien, il y a certains globes de vie qui t'overcharge et d'autres non. Et je suis tombé.
Salut. C'est vraiment stylé en fait un Doom-like Dark Fantasy. Mec, enfin. C'est vraiment ouf. Hein. Tout ce que j'ai vu depuis le début du jeu là, mec, j'en prends plein la gueule. Hein. La musique est un peu discrète, mais je trouve que ça rajoute un peu à l'ambiance en fait. Donc, genre tu vois les petits globes de vie là, ils m'overchargent, mais celui-ci non. Water release number one, c'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment pas obligatoire l'eau, hein, je pense. Arrêtez. Tombé où? Chou. Hé hé. Tiens. Hop là, lui. Oh bah la vache. Hop là. Puis l'animation me fait gueulerie un petit peu. Ah bon? Hop. Water release number 2. Très bien. Ouais. Ah, j'imagine qu'il y en a une troisième. Bon, ah bah non. Tiens. Ok. Israël. Pas forcément. Vous me faites chier, cassez-vous. Voilà. Australie, voilà. Quoique non. L'Australie, ça chie un peu en ce moment. Hein. Luxembourg. Je crois que machin là. Celui qui fait les trucs dans l'histoire avec les rois et tout. Merde. Qui a une tête de PD un petit peu là. Bah merde. Ouais, Stéphane Bern, je crois qu'il est luxembourgeois, lui. Ah bah, il est carrément gay, poteau, il est pas juste la tête. Ah, bon. Moi, je suis... Après, je connais pas sa vie privée, moi, si tu veux... Voilà. Eh B. C'est des clous. Ouais, par contre, ça, mon gars, c'est génial, quoi. Là, l'espèce de masque, on voit des pics là qui clouent les saloperies au mur. Hein. Ça m'éclate, hein.
Je sais pas pourquoi j'ai tiré. Oula. Aïe aïe, je brûle de la du visage. C'est chaud. Mais il y en a plein. Oh là. Ah salut toi. Attends, je m'en vais. Même plus ailleurs. Oh, dis donc. Voilà. Petite save. Putain, dans la gueule, il direct, il dans le nez. Ouais, non, mais mon gars, ils ont aucun respect, ces trucs-là. Hein. Il y a un truc qui me plaît là-bas. J'ai faim. Pourquoi j'ai faim d'un coup comme ça, là? Je comprends pas. Hop. C'est le poulet, sûrement. Et là, je t'avoue qu'un bon poulet, je le bouffe direct. Hein. En plus, c'est marrant, on parlait de poulet tout à l'heure avec Pounce. Oh là, oh là, oh là. C'est un poulet comment que tu manges? Mort. J'imagine. C'est des wings et des cuisses, putain. Aïe. Voilà. Mourez. Voilà. Du coup, tac, je prends ça, je prends ça. Ça, allez, je prends un peu de tout, ça aussi. Ça, je suis à fond. Et ça, ça baisse, ça. Mais tu te fous de ma gueule, de... Mais c'est quoi cette espèce de bâtard là? Mec, j'hallucine. Aucune race, hein. Quoi? Je t'ai bien niqué, hein. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein. Non, pas ça, ça. Ouais. Ta gueule. Oh Dieu! Tu as crevé, oui. Voilà. Vous voulez prendre l'ascenseur lui aussi? Oui, bah c'était occupé. Oh, il était vénère, putain. Vous voulez pas crever, hein. Après, bon, je peux comprendre, monsieur, mais quand même. Pourquoi ça? Oula, d'accord. Mais ça me fait remonter là. Mais j'attends, je dirais, enfin, j'ai rien branlé là, donc t'es sûr? Ouais, voilà. Mourir.
Aïe. Ça brûle. Attends. Pas ça, ça. Bah. Voilà. La hache, c'est bien pour le truc qui saute dessus. Mais je trouve que l'épée là, qu'on voit en espèce de truc vert là, ça marche pas mal aussi. Hein. Ils t'ont sauté la gueule comme mes oncles à Noël. C'est quoi tes oncles? S'ils ont quatre pattes et une grosse gueule, c'est pas des oncles, c'est des chiens. Faut que j'aille où, putain? Tiens. Aïe. Voilà, je suis paumé. Ah, je suis encore plus paumé de ouf, là. Oh, sa mère. Tiens, ça, je prends. Comment il fait du feu dans l'eau, lui? Espèce de bâtard. Aïe. Eh, toi, t'es un bâtard, toi. Voilà. Wesh. Il est relou, quoi. Merde. Hop là. Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier en fait. Ah mais j'ai toute ma vie. Eh ben non. Tac. Ouais merde. Adieu. Voilà. Salut Gugzu. Je crois qu'il y en a un qui est en train de mongoliser là-haut. Non? Si. Bon, on va le laisser tranquille, hein. Par contre, qu'est-ce qu'il faut que je branle? Il faut que j'ouvre ça du coup. Ouais, t'es un bon. Voilà. Et je l'ouvre comment? Ah bon bah là. Comme quoi hein. Ouais. Non du coup, c'est pas, ça a pas ouvert. Qu'est-ce que vous faites dans l'eau, bande de débiles? Toi, t'es un gros qui fait chier, non? Oh là. Aïe. Mais sérieux? Oh, ouais, c'est bon. T'as pas le droit de faire des flammes dans l'eau. Tu l'as éclaté comme Steve a éclaté Leona dans la saison 1 du Loft, mec. T'en as de la culture, toi. Mais faut que je fasse quoi, par contre?
Ici peut-être. Ça, ça ne veut rien dire. Adabad, bah... Avec plaisir finalement. Pourquoi j'ai une notification sur Discord? Qui c'est qui me fait chier? On s'en fout. Tac. Ça je prends. Ça je prends. Du don. Cache pas des choses comme ça. Hein. Casser où et où? Voilà. Hop là, ça dégage. Je sais pas viser, hein. C'est incroyable. La gueule. Il est relou lui là. Voilà, hop là. Le trident fait 0 dégâts. C'est vrai que le trident, j'ai un peu du mal à voir quand l'utiliser en fait. Autant avec le mode ultime là, ça va, mais sinon il fait pas énormément de dégâts, c'est un peu pas top. Le trio c'est vraiment pour le trash de base, ouais je crois. Hein. Tac. Qu'est-ce qui gueule? Oh putain, il est relou. Bah non, du coup. Voilà. Gate control, hop, je prends. Ah vache, y'en a du monde là-dedans. Voilà, dégagé. Putain, les relous. Hop. Arbitre RS, that is forgone. Ok. Aïe. Je prends cher. Je prends cher ma race. Aïe aïe. Non. Mais la vache. Putain, ce qu'ils prennent eux. Alors, je peux ouvrir, s'il vous plaît. Ta vie, oui, ma vie fait un triangle, c'est exact. J'ai besoin de la gold key. D'accord. Thank you.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai visiblement loupé un truc. Il aurait pu tuer une M4 à force, franchement, ouais. Hein. Ça s'est ouvert les portes. Ici, ah yes. Mais meurt quand même. Voilà. Ah putain. Attendez, j'ai une idée. Vous me faites chier. Voilà. Hop, c'est plus propre. Marcher là. Comment je suis censé foutre? Saute en face. Bah merde, putain le con. Ah bah oui, ouais, oui, non, si, en fait t'as raison. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Hop, voilà. Oui, non, c'est moi qui suis un peu attardé, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je veux. Hop là. Là on est bien. Il me restait de la vie là-bas à ramasser, je crois, non? Je sais plus, peut-être, non? Oui? Non. On a des munitions. Hop là. Bon, moi j'y vous bisous les petits bas de bisous, Drakhtan. Tac tac. Ah bah voilà. Suffit de demander, hein. Ah putain de souris à la. Mais. Maman, arrête. Je sais vraiment pas d'où ça vient ce souci là de souris clavier qui pète un plomb et... Mais c'est un peu relou, quoi qu'il arrive, c'est un peu relou. Attends, ouais, c'est ça, ouais, mettez-vous en groupe, ouais. On va se marrer après. Voilà, je crois que j'ai aggro tout le monde. Hop, il me faut ces deux là. Voilà. Souris Razer, bah non, pas du tout. C'est une Logitech, donc puis ça me le fait sur aucun autre jeu en plus. Donc je t'avoue que ouais, je suis un peu curieux de savoir le pourquoi du comment. Ah, ils sont trois, c'est con là. Voilà. Ouais. Oh la vache. Mais tu as crevé toi? Hop là. C'est vrai qu'ils sont un peu cons quand même, hein, parce que... Je sais pas comment je ferais sinon.
C'est quoi la story du jeu jusqu'à présent? Je t'avoue que j'ai pas trop suivi, c'est assez cryptique. Mais en gros... Ouais, voilà, le mal a pris le monde et il faut que tu butes... des trucs. Qu'est-ce que quoi? Faut que j'aille là? Voilà, merci. Il me saoule, lui, hein. Non mais remonte. T'es un chevalier trop vert qui me dit enculé de démon. Ouais, en gros, hein. Voilà. Faut que je saute en face, là, j'imagine. C'est un peu précaire, mais ouais, c'est ça. Hop là. On va où? D'accord. Oh putain. Ouais, tiens, on est mieux là. Tiens, bon bah voilà. J'ai plus beaucoup de munitions de rien en fait. Aïe, oh, c'est bon, ça me saoule. Hein. Vous êtes tous mal polis. Ah non, mais en fait, non. Voilà. Mieux. J'ai claqué la... sous mon cul, là, parce que... ça va, au bout d'un moment... J'ai mal. En vrai. Il y a de la... il y a pas de santé quelque part là, vous êtes sûr. Vous êtes vraiment sûr et certain quoi. Oh là. Ah, je crois qu'ils sont vraiment sûrs et certains. Eh bien écoute, on va aller par là. Oh sa mère. C'est quoi ça? Flight power up. Allez, je me casse. Show les losers. Oh merde. Ouais non, c'était chaud là un peu. Pourquoi j'ai... c'est quoi ça? Ok. Je suis où? Je suis là. Mais pourquoi je... De quoi? Aïe aïe. Putain mais quel... Attends. Hop. Ah là il y a de la ville. Attends, bougez. Attendez deux minutes. Non 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 non. Oh putain. Comment je vais faire? C'est relou là. Non putain. Allez. Est-ce que je peux tenter ça? Oh là. Comme quoi, hein. Ouais, moi après c'est propre. On est bien quoi. Tac. Faut que je prenne les ailes. Et que j'active ces trucs là.
Hop. Oh yes. Oh yes. Il m'en reste 5 hein. Voilà. Non. Je suis bloqué. Dan. Ah putain. Voilà. Qui c'est qui me tape? Putain, c'est eux là, ils sont relous. Hein. Bouillez pas. Ce serait plus simple si je pouvais voler. Hein. Mais ce qu'ils prennent dans la gueule, ces connards! Hein. Ouais, bah merci. Faut que j'aille par là, j'imagine. Non. Par là. La Silver Key. Ah ok, d'accord. J'ai. Viens par là. On va y aller. Tac. Tac. Hop. T'as plaît toujours le jeu? Ouais, ouais, carrément. Carrément. Solar Sanctuary. Alors, The Saint Await. From his home, the sun. T'es sûr? C'est une salle de boss, ça? Ça a l'air, mais c'est un peu tôt, non? Oh sa mère la pute. Ah bah ouais. Oh. Pas très fair play tout ça hein. Vas-y viens. Ouais ok d'accord. Ok. Bon attends, à mon avis il va pas être très compliqué lui. J'ai combien? 4? Moi à mon avis il va pas être très compliqué. Merde. Connard. Bah je suis vraiment une merde. Non mais je pense que j'ai la bonne strat, attends. Non. Ah ouais mais j'ai cherché la merde là. Un peu. J'ai un peu de la merde en fait. Voilà.
prends ça. Bah c'est fini. J'ai fini le chapitre. Il était court celui-ci. Ah ouais. Welcome back, champion. Il était court celui-ci en fait. Je pensais qu'il est... Ouais, écoute. Eh bien, c'était bien. C'est quoi ça? Ok. Oui, non. Ça, c'est fait. À chaque fois, je me paume. Ah, voilà. Vers les forges. Comment... est-ce que du coup vous voulez que je continue? Ça va être chaud un peu de continuer là, parce que si le prochain il fait 2 heures, ça me fait arrêter plus d'une heure. Je vais pas tenir clairement. Ou est-ce que... Ou est-ce que vous voulez que je continue? Au pire on s'arrête au milieu du chapitre s'il est trop long, et tant pis. Ou sinon on passe sur Iron Maiden. Continue, eh ben la vache. Je crois que je vais pas avoir trop le choix. Attends. Continue, continue. Bon, bah écoute. Allez, c'est si pire. Ah, bah tiens. J'ai eu une erreur. Le jeu a crashé. Putain. Je la con. Oui. Allô? Pas de réponse, oui. Casse-toi. Ça revient. Non bah du coup attends, non attends, il se fout de ma gueule. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Attends. Merde. Là. Ah oh, je le relance le jeu, attends non. Eh, on me la fait pas comme ça moi. Hein. Non mais oh. Par contre, vraiment, je suis pas sûr de continuer très longtemps. Parce que j'ai vraiment la dalle. Donc, voilà. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Ah, tu arrêtes. Oh la vache. Attends. Gateway? BDB. Oui. Mange tes morts pour empêcher la fin. Excellent ça. Attends. Mais mes morts ils sont pas très goûtus Spider, donc j'ai pas envie. Je dirais même que mes morts ils puent de la schneck, tu vois. En toute franchise. Tac. Alors par contre faut que je m'y retrouve. C'était où? C'était en bas. Non, attends, faut que j'ai oublié de faire un truc. Tac. Oui. Hop là. C'était où? C'était par là? Je crois que c'était par là. C'était là? C'est là, t'es là. Hop. Là, si tu me dis que j'ai une erreur... Oh la vache. Ça me fait vachement penser à Alien. Putain de merde.
C'est joli mais ça fait peur. Oui, c'est exactement ça. C'est joli mais ça fait peur. Les arrières de mais c'est le futur. Pourquoi il y a des êtres de lumière qui m'attaquent? Va-t'en. Mais meurs. Ouais, merci. Putain, je voulais écrire t'imagines. Je sais pas ce que j'ai branlé avec le clavier. Ah oui, Rimjim, l'Artix. Franchement, mec, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, quoi. Ça, avec les RTX, mon gars, à mon avis... À mon avis, t'es content. Voilà, c'est leur qui, très bien, je m'en doutais. Enfin, les Asgardiens qui font la gueule, quand même, hein. Machine Slice in Wait, they defend the Sacred Ruins. Elles sont obligées. Sa mère. Ça, oh là. On arrête, hein. On se calme. Où je m'en vais, tiens. Oh là. Lui m'a suivi. Eh, c'est quoi ce futur là? Oh bah je crois que je vais pas avoir le choix pour vous. Hein. Désolé. Non, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Jamais de la vie. Look to the skies. Ouais. Non mais je vais pas dans l'eau moi. Ouais non je vais tellement pas dans l'eau mon gars. Je vous vois les trucs là hein, qui bougent dans l'eau hein. Pourquoi tous les peuples aliens ils foutent des défenses millénaires pour du savoir ou autre alors qu'ils s'en serviront plus jamais? C'est des gros fils de pute, on laissera pas des clémores à côté des livres de Muriel Robin, notre norme. Bah franchement, t'es sûr? Moi poteau, Muriel Robin, je la protège jusqu'à ma mort hein. Et même après hein. Ouais, je vais dedans, mais je sors vite. Je ramasse ça. Y'a pas de la vie pour pitié? Non. Yes. Personne approche mes astérix. Ouais, voilà, carrément. J'ai plus de vie. C'est pas ouf. Mais ça a beau des machines à saigner rouge quand même. Hein. Ça, ça change pas. On va où? On va... Je suis où? Je suis là. Hop, tac, tac. Mec, mais c'est quoi ce... Oh avec l'éclair, là? C'est magnifique, hein. C'est flippant, mais... Non, c'est... Non, ah, où, là? Cassez-vous. Cassez-vous pour toujours, même. Voilà. Là-bas, ok. Mais sale PD. Comment on parle? Non, mais c'était sérieux, toi?
Allez. Comment ? Oh là. Voilà. Mieux là. Oh sa mère. J'en loupe aucun. Je les ai tous loupés. La patience c'est une vertu, merci. Mourez, voilà, pour toujours. Ok, pas mal. Ça, putain de merde. Voilà, on est bien là. Là, on est bien. Encore de la santé. Voilà, on prend. Des munitions, ça, on prend évidemment. C'est un mélange de Alien et de Blade Runner qui a plus d'électricité. Ça, bizarrement, je comprends. C'est peut-être une vertu, mais un pain dans la gueule, ça résout les soucis bien plus vite. C'est pas faux. Eh merde. Eh merde. Putain. Chou, là. Et là je sais pas, mais il y a de la vie. Comment je remonte? Faut que je me retape tout, c'est ça que t'es en train de me dire? Mais si je descends, je meurs, là, non? Mais... Ouais, c'est ça, faut que je me retape tout, ouais, ok. Impeccable. Faisons comme ça. Ouais, hop. On va y arriver, hein. Mais du coup, je suis pas sûr de... c'est le dernier chapitre, ça, ou il y en a un encore après? Parce que ça a vachement une gueule de dernier chapitre, quand même. Mais en même temps, je suis pas sûr. En mode d'instinct, je dirais que ça, c'est le dernier chapitre, mais... on en a pas fait 7. C'est pas le dernier, ok, d'accord. Bon bah c'est moi qui suis fou du coup. Tac. Oh là je suis à fond. Ok. Qu'est-ce que quoi? Ah d'accord. Il est long ce compte-jeu, oui il est très long hein. Non, je suis un trou du cul. Mais non, s'il te plaît. Voilà, mieux. Faut que je continue par là, ok. C'est flippant, putain. L'ambiance, elle est... Hein? Bon. Non, quoi, pardon? T'es sûr de toi, jeu vidéo? J'ai l'impression que tu m'as enculé, jeu vidéo. C'est fou, hein? Putain de merde. Voilà. Hop là. Mais non! Oh la vache! Oh tiens, hop là! Ok. Ça va monter assez haut ça? Ouais. Oh non, non. Oh la putain de merde! Yes! Exactement ce que je voulais faire, là on est bien. Ça va être relou, hein. J'espère que vous en êtes tous conscients. Ça va être chiant. Hmm.
Et putain. Non, allez, c'est bon. Viens, tu... Voilà. Viens, on dit que ça va vite. Sauvegarde. Cassez-vous. Allez, bah voilà, va-t'en. Non mais vous aussi, c'est bon, pas le temps. Voilà. Oh, putain. Merde. Impeccable. Hop, la santé. Je prends ça, je prends. Y'a quoi? Faut que j'aille en bas là? Ah, j'ai l'impression. Crevé, voilà, merci. Faut que j'aille où maintenant? La clé d'argent, là, elle est où? Je suis paumé là. En plus, on y voit que dalle. Par là? Non, là, c'est là où c'est là d'où je viens, ça. Je crois. Oui, c'est là d'où je viens, ça. Donc, ce n'est pas là. Tac. Voilà. Ah, du coup, faut que je traverse la flotte encore. Mais pareil, c'est obligé. Ouais, bon, allez. On prend son courage à deux mains et on y va. Hop, allez, 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 allez. Voilà. Hop. Ouais. Tac. Voilà. Hop, on remonte. C'était où la clé en argent qu'il fallait que j'utilise? Je me souviens plus. C'était là? Non, c'était pas là. C'était au-dessus encore? Merde. Un con, putain. Remonte. Voilà. Salut, Bumblebee. Mais non, mais je comprends pas. J'y suis déjà allé, là. Faut que j'aille où? C'est par là. Je suis paumé, hein. Par là, non. Là, ok, c'est bon. Tac. Voilà. Ils sont deux, c'est con. Voilà, merci. Allez. Vous au-dessus là, vous me saoulez, je verrai plus tard. Ça vous va? Non, pas de l'eau encore. C'est bon, je suis saoulé là. Ah, ça va bien. Bah bon.
Tac, tac, tac. En plus, il y a encore la saloperie dans la flotte, là. Il me saoule. Eh. Hey. Déjà, d'aller niquer ta race. Aïe, aïe. Eh, je suis vraiment mauvais. Hein. C'est une grande passion dans le jeu, par contre, de marcher sur des petits chemins qui zigzaguent au milieu du vide, au-dessus du vide. Je crois, ouais. Mais lui, il me saoule. J'ai pas envie. Qui c'est qui a gueulé, là? Aïe! Putain! Ouais, non, mais ouais, voilà. Et ma dernière sauvegarde, je crois qu'elle remonte à super loin. Ah non, là, elle remonte juste à là, en fait. Ça va! Donc, c'est l'autre là-bas qui a gueulé, là. Ouais, l'autre là-bas, là. Merde. Putain. Bah, d'où mon... Ah, j'ai plus de munitions, d'accord. Ah, mais il y a des petites boules aussi, putain. Oh putain, oh putain. Non, non, j'ai chié de ouf, là. Sliced. Bah oui, ça te fait rire. ok. Ah oh, c'est la merde. Ok, d'accord. J'ai mon... Ouais, j'ai ça. Bah vas-y, hein. Je crois qu'on va partir là-dessus. Merde, merde, non, non, non. Et toi, t'es un sacré petit bâtard. Il y en a une autre, je l'entends. Elle est con. Voilà. De la vie, s'il vous plaît, par pitié. Oh la pute. Alors, Sisless, d'accord. Faut que je monte là-dessus. J'aurais tendance à dire que oui. Quoi? Quoi? Oh là non. Ah putain. Ouf. Ouais, ça va me casser les couilles un peu, ça, là. Oh, t'es sérieuse. Vas-y. Mais avec 5 PV, je vais pas aller loin, je pense. Hein. Ah, bah, y'a de la ville. 30. Pas ouf, mais c'est mieux. Et si je rush ma grosse race? Hop, j'active ça. Pourquoi vous êtes des millions? Ouais, je me casse la gueule, je m'en fous. Hein. J'ai probablement dû ouvrir un truc. Aïe.
Ok. Ouais bah écoute. Voilà, comme ça on est peinard. Je crois que je les ai tous tués. Je crois qu'il y en avait 3. Hop. Allez, oh, s'il te plaît. J'ai un peu mes FPS qui partent en couille là, je sais pas trop d'où ça vient. Tac, 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 ça débloque quoi ça? C'est en bas là. D'accord. Oh la vache. Non! Barrez-vous. Ah putain! Attends, j'ai l'impression que le jeu est un peu instable niveau framerate, ça me l'a fait aussi. Mais d'habitude ça me le fait pas, enfin sur les autres niveaux ça me l'a pas fait, mais là ouais. Non. Bah oui, non mais je suis débile aussi. Si je prenais plutôt ça, peut-être ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux même. Hop là. Je vais le pétarder into the machine. Non. J'ai pas envie d'être dragué dans la machine moi. Tu as crevé hein. Vas-y. Bouge proche. Aïe aïe. Ouais bah voilà j'arrive hein. Putain. Tac. Tac tac. Aussi faut que j'aille encore au dessus. Non faut pas que j'aille encore au dessus. Clairement. Par contre, il est beaucoup, beaucoup vénère le jeu. Au début, on se foutait de la gueule de Blood, mais mec, mais de commencer, on se foutait de la gueule de Blood. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh non. Va-t'en. Il y en a d'autres? Il y en a une autre. Non, c'est des futés vénères. Ouais, ouais. Bah. Après ouais là le jeu il commence à être, il est un peu difficile mais enfin j'en chiais plus sur Blood que là hein. J'en chiais plus sur Blood que là vraiment hein, poteau Aïe, c'est quoi qui m'a fait mal? Voilà. Trois de plus. Oh la vache. Non mais oh, ça va.
con. Aïe aïe. Mais surtout que le jeu il est un peu radin en munitions en plus. Je trouve. Ouais voilà, j'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai quoi comme autre arme qui pourrait être peut-être plus efficace? Ça, ça peut être plus hein. Non mais t'es sérieux toi? Hop là. One more to go. Oh la vache. Ouf. Pas lui, lui. Non. Non putain. Je suis vraiment une merde. Attends. Non, ça, tac. Mais... Il est relou lui. Hop. Voilà, je crois que c'est bon. Tac. Et dernier. Tac. Aïe. Oh ouais. Toi t'es vraiment un sale con. Je sais pas viser. C'est une catastrophe. Faut que je saute là-dedans? Ah, ça sent la fin du niveau un peu là, hein? Non? Si. Je pense que je vais juste checker un petit peu ce niveau-là. Crucible of Pain. Eh non, mais par contre, faut se calmer. Hein. Je vais juste voilà, voir un petit peu. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Force of Pain ahead. Voilà, à moins que. Quoi? Il dit ça comme si c'était... Ou Je continue juste vite fait histoire de voir un petit peu... S'il y a le boss derrière, je vais essayer de le claquer, mais s'il n'y a pas le boss derrière, je vais m'arrêter là quoi. Et il n'y a pas le boss derrière, bon. Et là par contre on est clairement dans la machinerie extraterrestre. Donc bon. Toujours 3 levels puis le boss. D'accord, donc là j'en ai fait un, donc il en reste un, deux et le boss. Ok, bon bah écoutez, je vais save. Quoique. Aussi je vais save ici. Hein. Tac. Voilà, je vais quitter et. Non, oui, je vais quitter et je vais vous dire. La bonne soirée dit, et la bonne nuit, et la bon ce que vous faites de en général. Attendez. Voilà, tac. Qu'est-ce que je fous? Je vais mettre ça. Bougez pas. Je vais mettre ça. Bon. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et la bonne nuit.